rentrons là, si je puis dire, dans le cœur du sujet avec, dans un premier temps, les communications de deux historiens, Michel Combé et Bernard Lachaise, qui vont traiter donc d'Yves Guéna à la mairie de Périgueux et au Conseil général. Je dis que nous sommes au cœur du sujet parce que c'est vrai que ce Breton s'est appuyé sur ses fonctions de maire et de conseiller général pour s'ancrer dans ce territoire de la Dordogne, et que c'est de là qu'est née finalement et sa popularité et aussi la mémoire, la trace qu'il a laissée. Donc, je ne vais pas parler longtemps parce que le temps nous est compté, puisque nous avons dans la deuxième partie une table ronde. Simplement pour vous présenter les deux historiens, Michel Combé, par ordre alphabétique, Michel Combé est maître de conférence honoraire à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux. Bernard Lachaise, est-il utile de le présenter après ses prestations d'hier? Bernard Lachaise donc, est professeur émérite à l'Université Montaigne Bordeaux 3. C'est un spécialiste du gaullisme, c'est aussi un spécialiste du Périgord, c'est un enfant du pays, il a plein de qualités, et c'est lui qui a eu l'initiative donc, de ce colloque sur Yves Guéna, qui ne pouvait pas avoir lieu ailleurs qu'à Périgueux. Et j'en profite pour remercier la municipalité, Madame la maire, la municipalité de Périgueux, qui nous accueille d'une manière somptueuse, que ce soit sur le plan scientifique, aussi avec ses magnifiques locaux, et aussi, j'ajoute, sur le plan gastronomique, ce qui, dans le Périgord, n'étonnera personne. Je signale quand même, pour terminer, que Michel Combé et Bernard Lachaise ont co-dirigé le livre « La nouvelle histoire du Périgord » que vous avez dans le hall central, qui est en présentation sur la table des ouvrages que nous avons choisis, et qui vient d'être publié, et qui est une nouvelle histoire, comme son nom l'indique, du Périgord. Voilà, sans plus tarder, je leur donne la parole parce que le temps est compté et qu'ils ont peu de temps, puisqu'ils doivent parler chacun un quart d'heure, 20 minutes maximum. C'est Michel ou Bernard qui commence? Ah, vous avez une heure. Alors, une de... Oh, pardon, excusez-moi. Le sujet étant important et vaste. C'est vrai qu'il n'est que 9h30. Qui commence alors, Michel? C'est vous, la mairie. Oui, évidemment, c'est plus logique. Merci, Madame la Présidente. Pour commencer, pour comprendre dans quel état d'esprit nous pouvons être ce matin, je vais vous rappeler une phrase d'Yves Guéna après qu'il ait assisté en 1987 à Bordeaux à la soutenance de thèse de notre collègue politologue Philippe Garot, thèse qui portait sur la fonction de maire en France depuis la Libération. Et voilà ce qu'écrit Yves Guéna. On discuta doctement durant 3 heures. Ainsi me suis-je dit, d'un côté, il y a des maires, comme moi, qui arrangent des bordures de trottoirs, qui curent des égouts, qui construisent des HLM, et d'un autre côté, des professeurs qui, sans même que nous nous en doutions, se penchent sur ce que nous faisons et savent mieux que nous pourquoi nous le faisons et ce que nous sommes. Donc on peut imaginer ce qu'il aurait pensé ce matin en nous écoutant. Alors on l'a dit hier, la carrière d'Yves Guéna ne commence pas politique ne commence pas en Dordogne, à la mairie de Périgueux ou au Conseil général, elle commence à la députation, donc en 1962. Donc c'est bien un parcours inversé par rapport à la tradition sous la Troisième République, qui fait que beaucoup de ses prédécesseurs avaient commencé par un mandat de maire, puis de conseiller général, puis de parlementaire. Mais chez les maires gaullistes de la Ve République, dans la mesure où le gaullisme est au pouvoir depuis peu, ce n'est pas un cas rare. En 1971, lorsque Yves Guéna devient maire de Périgueux, la France ne compte que 83 maires gaullistes d'une ville importante. Et il n'y a que 7 villes d'Aquitaine qui sont dirigées par un maire gaulliste à l'époque. Alors Yves Guéna s'est interrogé dans l'été 1963, nous avons retrouvé ça dans les archives. Que faire? Candidater aux élections cantonales de 1964, aux municipales de 1965, la mairie? Dois-je la prendre ou non?
Donc, il a un petit peu hésité, mais très vite, il lui est apparu comme une nécessité pour consolider son assise de s'implanter localement. Et il l'a expliqué plus tard à Philippe Garot, justement. Le mandat de député est exposé à tous les aléas de la vie politique. Il faut donc avoir une base la plus large possible si on ne veut pas s'exposer à demeurer ou à se retrouver dans une situation fragile. C'est ce risque qui conduit à l'engrenage du cumul. Alors, la conquête des mandats locaux par le député, donc Yves Guéna, a commencé par deux échecs, les cantonales de 1964 et les municipales de 1965. Puis, il est donc élu au Conseil général en 1970, à la mairie de Périgueux en 1971, toujours réélu ensuite, mais il a dû, comme on l'a dit, abandonner les mandats locaux, le premier pour cause du cumul des mandats, et ensuite parce qu'il est nommé au Conseil constitutionnel. Ainsi, Yves Guéna et Périgueux, c'est plus d'un quart de siècle d'histoire. Et si Yves Guéna se réjouissait d'avoir été le plus long maire de l'histoire de Périgueux depuis le temps de Philippe Auguste, une telle longévité n'est pas exceptionnelle. Sans parler du record toutes catégories confondues de Chaban-Delmas à Bordeaux, 48 ans. Dans les villes de taille comparable à Périgueux, c'est-à-dire 30 000 à 40 000 habitants à peu près à la même époque, Henri Grenet est resté maire de Bayonne pendant 30 ans, Jean-Pierre Soissons, maire d'Auxerre pendant 27 ans, et un petit peu plus peuplée, la ville voisine, Brive, a été dirigée pendant 29 ans par Jean Charbonnel. Alors, de ce quart de siècle, nous traiterons principalement, d'où le titre d'ailleurs qui apparaît sur le diaporama, nous traiterons principalement du maire et assez peu du conseiller général, et on vous expliquera peut-être, si vous avez des questions à ce sujet, pourquoi. Nous allons essayer d'expliquer donc la longévité de ces années Guéna à Périgueux à travers les élections successives, puis nous analyserons les projets qu'il a proposés pour la ville, le bilan de cette politique municipale durant plus d'un quart de siècle. Donc d'abord, Guéna et Périgueux, un lien solide durant plus d'un quart de siècle. Et pourtant, tout commence par deux défaites. La première, c'est celle des cantonales de mars 1964. Yves Guéna se présente dans le canton de Périgueux, dont le sortant, l'ancien député gaulliste Raoul Rousseau, ne se représente pas. Mais à la place de Rousseau, si j'ose dire, il a quand même une personnalité qui a beaucoup compté dans l'histoire de la Dordogne, celle de Georges Bonnet. Georges Bonnet qui quitte son canton de Champagnac de Bélair à cette occasion et le laisse à son fils Alain. Malgré le discret soutien de la préfecture, Yves Guéna n'arrive qu'en troisième position au premier tour, derrière l'ancien député Yves Perron, le communiste dont on a parlé hier, et derrière Bonnet. Il se retire, dit-il, pour ne pas faire élire le communiste. Mais selon la Dordogne libre, de nombreux électeurs qui avaient voté UNR au premier tour ont voté communiste au deuxième. Georges Bonnet est élu. Alors, la campagne avait été rude, comme vous pouvez le voir sur ce tract. C'est un argument qui est beaucoup revenu, qu'on a retrouvé en 1968 dans la campagne législative. Guéna attaque le passé de Georges Bonnet, l'associant évidemment à Munich et à son comportement ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Un an plus tard, Guéna se lance à la conquête de la mairie de Périgueux. Face à lui, qui présente une liste UNR-UDT et MRP, une liste du maire sortant, élu en 1959, le radical Lucien Barrière, qui avait été un des piliers du RPF, du Parti gaulliste en Dordogne après la guerre. Cette liste du radical Lucien Barrière était composée de socialistes, SFIO, de radicaux, et une troisième liste était celle dirigée par le communiste Perron. Guéna a cru réussir un coup politique en obtenant le ralliement de l'ancien maire et sénateur Pierre Pugnier, qui était socialiste et qui avait été maire de Périgueux. La campagne est plutôt calme, la participation est forte, mais la liste Barrière arrive nettement en tête devant celle de Guéna et de Perron, et Barrière l'emporte. Sur cette photographie, on voit deux ans plus tard, à l'occasion d'un hommage à Léon Blois, le maire Lucien Barrière, qui est à la gauche de Yves Guéna, que vous avez au centre. Et derrière Lucien Barrière, c'est l'évêque de Périgueux, Jacques Patria, et à la droite plutôt d'Yves Guéna, le personnage au premier plan, c'est Pierre Fanlac, figure que je citerai tout à l'heure, mais bien connue du monde de la culture en Périgord. Entre gaullistes et communistes, finalement, les électeurs ont préféré le centre
Le choix de Pugnier a troublé et Guénat, avec le recul, considère qu'il a commis une faute. À partir de 1970 commence la carrière donc locale, l'élection d'abord au Conseil général en 1970. Vous avez ici la profession de foi donc d'Yves Guénat, qui est député à ce moment-là. La situation politique est alors un peu plus facile pour Yves Guénat parce qu'il a été ministre, donc il a consolidé son assise nationale, mais elle a été affaiblie par la perte de son siège de député. Ça a été rappelé, hein, Claude Guichard avait refusé de rendre en quelque sorte le siège à Guénat en 1969. Alors Bonnet ne se présente pas à cette élection, mais Guénat retrouve son adversaire communiste, Perron, et doit affronter deux autres candidats, Jean Hervouet et André Merdieu, qui incarnent les centres. Il mène, selon ses mots, une campagne active, il le fallait, n'oubliant aucun mot, aucun quartier. Il dispose d'une solide documentation fournie par la préfecture. Il prépare très sérieusement ses dossiers et ses discours. Ça, c'est une constante, on le voit dans ses archives. Il insiste sur son action en faveur de Périgueux et de la Dordogne, notamment sur le téléphone, la poste et l'imprimerie du timbre. Il fait même réaliser des sondages. Alors, son adversaire Yves Perron, qui devient son vieil adversaire hein, déjà, demande aux électeurs, je cite, de condamner la politique réactionnaire et antisociale poursuivie depuis 11 ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, et attaque son adversaire, je cite, « Monsieur Guénat, qui n'habite pas le canton de Périgueux, a été le ministre du pouvoir réactionnaire et rétrograde avant d'être éliminé du gouvernement par Chavandelmas. Ses démêlés avec Monsieur Guichard, alors Claude, pas Olivier, ont montré qu'ils faisaient passer leur intérêt personnel avant l'intérêt général. » Guénat sort vainqueur dès le premier tour, 54% des voix, dans un contexte national plutôt favorable aux gaullistes. Mais il arrive au Conseil général où ils ne sont que 5, donc une toute petite minorité encore dans l'Assemblée départementale. Deuxième étape, la deuxième candidature à Périgueux en 1971 avec une liste intitulée « Périgueux demain ». Il prépare minutieusement cette campagne. Face à lui, la liste communiste conduite par Perron et une liste, donc Périgueux Expansion, menée par le docteur Christian Gaillard, composée de centristes et de socialistes. Les adversaires dénoncent moins le programme de la liste Guénat, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, que ses engagements politiques. Ils lui reprochent d'avoir constitué une liste très politique, presque exclusivement gaulliste, et s'inquiètent d'un futur maire absent de Périgueux. Les attaques sont dures et Guénat s'étonne de la hargne dont fait preuve à son égard la Dordogne républicaine. Journal. Guénat répond en précisant que sa liste que nous voyons ici, certains sont présents dans la salle, certaines au moins, donc cette liste est composée de 12 UDR seulement, de 8 sans étiquette, de 11 de sensibilité allant des démocrates chrétiens à des socialistes. Il axe sa profession de foi sur un programme local, évitant toute allusion à la politique nationale. Au premier tour, sa liste arrive cette fois largement en tête. Elle frôle même la victoire au premier tour. Entre les deux tours, la liste centriste annonce qu'en cas de victoire, c'est l'avocat Aris Salvia, radical de gauche, qui sera maire de Périgueux. Et cette liste conduit un accord de collaboration avec la liste Perron. Guénat dénonce aussitôt la collusion avec le Parti communiste et au deuxième tour, sa liste l'emporte avec 9695 voix, soit 51,93% devant la liste Gaillard. D'un peu plus de 700 voix seulement quand même, hein, ce qui contredit la formule ultérieure du vainqueur, ma liste fut élue sans difficulté. Ce n'était pas aussi évident à cette date-là. Par la suite, de 1970 à 1995, ce sont des réélections facile, au cantonal comme au municipal. Donc, Yves Guénat est réélu conseiller général durant les deux décennies qui suivent son entrée dans l'Assemblée départementale. À chaque cantonal, il est réélu au premier tour, à trois reprises, donc avec des scores de 58%, 63%, 63,66%, face à trois candidats de gauche en 1976, dont Léon Lichtenberg, Francis Ardouin, Claude Secret. En 1982, devant le communiste Max Passerieux et la socialiste Raymonde Germain. Et en 1986, face à trois candidats encore,
Max Passérieux toujours, Le Loup, PS, et Devez, un Front National. Au Conseil général, Yves Guénin intervient généralement lors des sessions plénières, le plus souvent sur des questions politiques, locales ou nationales, et très peu dans les réunions techniques. Parmi les interventions de Guénin, quelques exemples peuvent être cités sur des sujets assez variés. C'est un choix un peu arbitraire. Il évoque souvent l'économie de la Dordogne, pour souligner par exemple, en 1980, que le plan du Grand Sud-Ouest ne lui accorde pas assez de place. À partir de 1981, c'est-à-dire quand la gauche est au pouvoir, elle était déjà dominante au Conseil général, mais il critique les mesures de la gauche au pouvoir, comme la décentralisation, et réplique au communiste Gors, qui accuse, je cite, le patronat et la droite d'être à l'origine des difficultés économiques. Yves Guénin répond, c'est vous qui êtes responsable de la situation catastrophique de l'économie française aujourd'hui et de la dégradation dans le département. Plus précisément, la défense des intérêts de Périgueux est un des sujets d'intervention majeure du conseiller général dans ses prises de parole. Par exemple, sur la question de la déviation, on en reparlera tout à l'heure, il déclare « Dépêchez-vous de trouver un tracé pour la grande déviation de Périgueux à laquelle j'ai donné mon accord, car techniquement, il n'est pas possible de faire autrement, elle a des inconvénients, mais par pitié, faites-la, trouvez le tracé, et ne me la faites pas partir trop loin. Nous sommes en 1984. » Autre sujet, Guénin exprime son désaccord sur le projet envisagé par le Conseil général de changer le nom du département qui deviendrait Dordogne-Périgord. Alors ça, c'est un marronnier presque dans l'histoire du département. Il déclare, donc il est hostile, et ça lui vaut une réplique du président Bioulac, « Je sais bien que le Jacobin que vous êtes, » Alors, Guénin répond aussitôt, « Cela fait 200 ans ou presque que c'est ainsi. Cela a été institué par l'Assemblée constituante en 1790. C'est quand même quelque chose de très important. » Et il ajoute, « En réalité, si l'on doit changer le nom du département, il faut l'appeler Périgord. Et vous l'appelez Dordogne-Périgord. Non par respect envers les grands ancêtres, mais simplement parce que cela entraînerait des changements dans les numéros minéralogiques des voitures. C'est misérable. » Voilà, fin d'intervention, on est en 1985. Plus anecdotique, voilà, j'ai mis deux exemples d'accrochage entre guillemets entre Guénin et Francis Colbach, d'une part, qui sera là tout à l'heure, et Alain Bonnet. Alors avec Francis Colbach, c'est une allusion, Colbach lui reproche en gros d'avoir les méthodes de Napoléon le Petit, hein, Napoléon III, avec candidat officiel et pas. Et avec Alain Bonnet, c'est évidemment les règlements de compte encore avec Georges Bonnet. La phrase est assez intéressante parce que Bonnet avait dit « Mon père avait créé l'office du blé » et Guénin l'interrompt. Mais non, il n'était pas au gouvernement à l'époque, c'est Monnet. Georges Bonnet qui l'a créé, il était ministre socialiste de la SFIO, et non pas Georges Bonnet qui était dans l'opposition au Front Populaire en Dordogne, ce qui est vrai, ce n'est pas possible de dire des choses comme ça. Vous voyez, bon, ça c'est deux exemples parmi d'autres, évidemment. Très minoritaire au début des années 1970, je l'ai dit, hein, 5 conseillers généraux gaullistes au sein d'une assemblée un peu plus de 30, l'opposition se renforce à chaque scrutin avec Guénin. 10 élus en 1976, 13 élus en 1982, 24 en 1988, ce qui permet à Yves Guénin, en septembre 1988, de se présenter à la présidence de l'Assemblée départementale, où il est battu 24 voix contre 26 à Bernard Bioulac. Cette progression des amis de Guénin leur a permis d'obtenir des postes dans le bureau, par exemple une vice-présidence pour Gérard Fayolle, ainsi que dans les commissions, à partir du milieu des années 80. En même temps, l'ambiance est de plus en plus tendue entre le conseiller général, maire de Périgueux, et le président du département, Bioulac, dans lequel Guénin voit un concurrent menaçant, y compris pour la mairie de Périgueux. Bernard Bioulac, jeune, il a 41 ans au début des années 80, professeur de médecine, président de l'Union des élus socialistes et républicains de Dordogne, conseiller régional depuis 1986, est aussi et surtout le député qui a battu Yves Guénin, on l'a vu hier, dans la première circonscription de Périgueux, en juin 1988. Comme l'a qualifié Jacques Lagrange, le duel prend l'allure d'un combat de gladiateurs, une lutte à mort entre Guénin et Bioulac. Il est obligé, pour cause de cumul des mandats, de quitter le Conseil général et il
demande au Périgourdin, donc, qui lui avait fait confiance, d'élire dès le premier tour, en 1989, Paulette Labattu. Vous voyez ici la lettre qu'il adresse donc aux électeurs. Au lendemain du renouvellement d'une partie du Conseil général, en mars 1992, Yves Guénat peut se réjouir de voir ses amis désormais majoritaires, 26 élus contre 24. Mais alors, un épisode rocambolesque que tous les Périgourdins connaissent, moins peut-être à l'extérieur, intervient quand, au premier tour de vote pour élire le président, une voix manque à la droite, et au deuxième tour, c'est le doyen d'âge, Alexis Félix, qui est élu. Guénat et ses amis sont furieux et appellent dans un tract à manifester devant la préfecture, je cite, « Appel à tous les citoyens, la démocratie est piétinée au Conseil général de la Dordogne ». L'affaire fait grand bruit à l'échelle nationale. On diffuse la photo d'Yves Guénat haranguant la foule donc sur une charrette, apparemment. La logique l'emporte cependant très vite. Gérard Fayol est élu, puisque les gaullistes, enfin la droite, avaient une majorité au Conseil général. Pour la première fois depuis un siècle, le Conseil général bascule à droite, ce qui est une belle victoire pour Yves Guénat, mais victoire qui en plus lui permet d'éliminer Bioulac de son fauteuil, mais victoire éphémère, puisque le renouvellement partiel du Conseil en 1994 ramène la gauche majoritaire à l'Assemblée départementale, et c'est le socialiste Bernard Cazeau qui devient président du Conseil général. Yves Guénat est réélu maire à partir de 1971, lors de chacune des municipales, 1977, 51,48%, 1983, 64,17%, 1989, 60,44% et 1995, 60,79%. Donc toujours des réélections faciles. Sauf la première. La première a été plus difficile en 1977. C'est une année où la gauche venait de s'unir, hein, on l'a rappelé hier, Union de la gauche, et au niveau national, elle a le vent en poupe. Les élections municipales ont été largement une victoire de la gauche en 1977. À Périgueux, la liste Périgueux Demain de Guénat affronte une liste d'Union de la gauche menée par le communiste Roger Gors. Vous avez ici donc cette liste. Mais aussi, au dernier moment, une liste de droite conduite par son ancien suppléant et député Claude Guichard. Liste considérée comme giscardienne en un temps où le RPR, c'est le moins qu'on puisse dire, Grégoire Poupé l'a rappelé hier, est en froid avec le président de la République, Giscard d'Estaing, après la démission de Jacques Chirac de Matignon. En 1983, une seule liste, toujours du nom de la gauche, conduite par Denis Soulier, affronte Yves Guénat. Dans le pays, le scrutin amène des résultats inverses, ce sont des élections favorables à la droite. Ce qui contribue à l'excellent score, le meilleur de son parcours municipal, je l'ai dit tout à l'heure, 64,17% de la liste Guénat. La nouvelle loi électorale emmène quand même un changement important au sein du conseil municipal, puisque l'opposition désormais a proportionnellement à ses résultats un certain nombre de sièges, et elle obtient effectivement 7 sièges au conseil municipal. Yves Guénat, tu peux peut-être mettre l'autre. Voilà. Alors Yves Guénat, donc ça c'est un exemple en 1989 de la campagne pour les municipales avec un document manuscrit d'Yves Guénat, comme il y en a beaucoup dans ses archives, qui montre la manière dont il préparait ses campagnes électorales avec un plan en trois parties quasiment. Le plan est là, la liste est là, le programme est là. Donc je vous demande une belle victoire. Voilà. Et c'est toujours très méthodique. La suivante. Alors là, c'est en 1989, dans les élections municipales, la gauche attaque Yves Guénat, évidemment, et choisit cette image, hein, c'est l'écho du centre. Après avoir transformé Périgueux en un écomusée, vos objectifs, monsieur Guénat, Versailles, bien sûr. Bon, voilà, ça c'est la vision, dessinez-moi la NPE, puisqu'évidemment, on est quand même dans une période où le chômage est important. En 1989, après, donc, justement, à cette occasion, la liste Yves Guénat fait face à une liste de gauche conduite par Michel Lecointe, professeur à l'École normale de Périgueux, et à une liste communiste et socialiste conduite par Roger Gors. La gauche unit en 1995 sur une liste conduite par Serge Gadra, mais le statu quo reste, c'est-à-dire qu'à partir de 1983, la gauche reste à 7 sièges dans l'Assemblée municipale. Alors, que dire d'Yves Guénat à la mairie? Qui sont les élus ayant siégé dans la majorité municipale en un quart de siècle?
Ah oui, on peut revenir 2 secondes en arrière. Voilà, ça c'était la liste Michel Lecointe, qui était une liste d'ouverture, une sorte de nouvelle gauche en quelque sorte, un peu écolo et aussi voilà, qui était moins lié au parti traditionnel. Nouveauté donc en 1989. Alors, qui sont donc les élus ayant siégé dans la majorité municipale durant ce quart de siècle ? 80 au total, ce qui indique une grande stabilité. L'élection d'Yves Guéna, d'ailleurs, à la mairie en 1971, ne s'était pas traduite par une rupture totale dans la composition du conseil municipal. Le nouveau maire avait gardé 4 sortants et fait appel à d'anciens élus, comme Jean Lagarde, qui était une figure du gaullisme en Dordogne depuis le RPF, ou Charles Bourgoin, qui était maire adjoint de Lucien Barrière entre 1959 et 1965. Bon, c'est quelque chose qu'on voit à Bordeaux aussi, Chaban avait fait la même chose. Le seul grand renouvellement s'effectue en 1989. Il fait grincer les dents. On voit que les sortants ne représentent plus que 40% de la nouvelle liste. Il fait un peu grincer les dents de quelques anciens écartés, évidemment, puisque seuls 6 élus des années 1970 restent en place. Il se traduit par l'entrée de « cerveau », entre guillemets, par une féminisation et par un rajeunissement de la liste. Parmi les entrants, 2 jeunes agrégés, Xavier Darcos, 42 ans, professeur au lycée Louis-le-Grand, et Guy Mandon, 45 ans, directeur de l'établissement Saint-Joseph à Périgueux, et Jean-Paul Dodou, 45 ans, cadre supérieur à la Chambre de commerce, tous 3 devenant aussitôt adjoints d'Yves Guéna. Alors, la longévité des élus est très inégale, mais la majorité, on le voit sur ce tableau, la majorité, c'est-à-dire plus des 3/4, n'ont fait qu'un ou 2 mandats. Dans le petit groupe de ceux qui accompagnent Yves Guéna le plus longtemps, 2 noms dominent, car ils ont exercé la fonction de premier adjoint. Charles Bourgoin, de 1971 jusqu'à son décès en 1983, et Paulette Labattu, première adjointe, à partir de 1991, mais élue depuis 1971, et adjointe depuis 1971 aussi. À la mort de Bourgoin, le maire Guéna lui rend un vibrant hommage, je cite, « Rarement un homme aura atteint dans une ville une telle popularité. Depuis 1971, il fut auprès de moi un premier adjoint exemplaire. » Quant à Paulette Labattu, Yves Guéna la remercia publiquement, souvent, notamment en vers, en lui remettant la rosette d'officier de la Légion d'honneur en 1998, et vous pouvez relire les vers qu'il a composés à l'époque dans l'exposition. La répartition, justement, par sexe au sein du conseil municipal, homme-femme, est intéressante. Elle montre au départ un petit nombre de femmes, 3 seulement en 1971, ce qui est plutôt inférieur à la moyenne nationale. Et puis, vous voyez la progression au fil des élections municipales. Et à partir de 1989, il y a proportionnellement plus de femmes, il y a beaucoup plus de femmes, mais proportionnellement, Périgueux est plus féminin, si j'ose dire, enfin, la liste est plus féminine qu'elle ne l'était à l'échelle nationale. La moyenne d'âge des conseillers reste stable, un peu plus de 50 ans en 1971, un peu plus de 50 ans encore en 1995, légèrement supérieure à celle des villes françaises, mais très proche de celle d'Angoulême ou de Bayonne, par exemple. La composition des listes évolue peu, mais ce n'est pas une spécificité, comme l'explique Philippe Garot, le politologue que je citais tout à l'heure. Il dit « Dans la grande majorité des cas, elle est le produit d'un complexe et savant dosage où se mêlent étroitement critères politiques et partisans, critères socio-professionnels, critères géographiques, critères réputationnels. » Je pense que tous ceux qui ont composé des listes municipales savent que c'est effectivement compliqué, qu'on retrouve à peu près tous ces critères. À Périgueux, au temps de Guéna, les cadres, professions intellectuelles supérieures, professions libérales, médicales, beaucoup de médecins, enseignants, cadres d'entreprise d'abord, et les artisans, commerçants, chefs d'entreprise ensuite, l'emportent toujours largement avec à peu près les 2/3 des élus. Puis figurent quelques cadres moyens de la fonction publique et de rares employés. Une catégorie augmente un petit peu à la fin des années 80, qui pourtant est l'année du grand renouvellement, celle des sans profession, avec surtout des retraités. Dans leur composition politique, les équipes ne se limitaient pas
aux gaullistes encartés, comme Guénin l'avait montré en 1971 en réponse aux critiques, et il l'affirme encore en 1995, c'est une liste non partisane. Ceci étant, les compagnons gaullistes ont toujours occupé une place importante. Au-delà du gaulliste historique Lagarde, que j'ai cité déjà, ce n'est pas un hasard si au moins la moitié des piliers de l'équipe municipale des années Guénin sont des gaullistes. D'autres militants siégés au conseil municipal, évidemment, alors Paulette Labattu, bien entendu, Pascal Vittori, qui était secrétaire départemental de l'UDR, Jean-Paul Daudou ou Guy Mondon. Quant à l'opposition, en 1983, elle était surtout masculine, une femme sur sept, Marie Hanoyer seulement, et en 1995, oui, c'était voilà. Et en 1995, elle est plus forte grâce à deux élus sur les quatre de la liste Lecointe qui entrent à la mairie, Marie Hanoyer et Josette Nouguez, et à Raymond Germain, qui, elle, est élue sur la liste Gorce, Roger Gorce. Deux d'entre elles, d'ailleurs, les deux socialistes, ont exercé un autre mandat électif. Marie Hanoyer et Raymond Germain ont été conseillères régionales, étaient conseillères régionales depuis 1988. D'autres responsables politiques de gauche ont siégé. Le secrétaire de la Fédération de Dordogne du PC, Roger Gorce, ancien conseiller général de Périgueux, conseiller régional, et le communiste Max Passerieux. Le professeur de lettres, Michel Lecointe, donc, qui avait été candidat déjà en 1977, qui était élu en 1983 et qui a dirigé la liste en 1989. Parmi les opposants entrés au conseil municipal, il faut citer l'éditeur et homme de lettres que l'on a vu tout à l'heure sur la photographie, Pierre Fanlac, donc bien connu hein, pour la vie culturelle en Dordogne, qui pour la première fois à 71 ans entre dans une assemblée politique. Ben, il décède très vite après, au début du mandat, en 1991. Et ses rapports avec Yves Guénin ont été assez vite très tendus. Dès la première séance du nouveau conseil, le 3 avril 1989, Fanlac, comme Roger Gorce et comme Michel Lecointe, expriment les mêmes regrets et critiques quant au fonctionnement du conseil et à la façon dont Guénin traite l'opposition. Je cite Pierre Fanlac. Le maire considère que les gens qui siègent sur les bancs de l'opposition sont comme des battus, et qu'ils ne sont admis à siéger qu'en tant que représentants des listes battues. Et ils protestent. Qu'en pensent les 40% de la population périgourdine qui ont apporté leur voix à cette même opposition? Ce ne sont que des battus qui ne comptent pas. Nous souhaitons avec bon nombre d'amis que le temps du mépris soit révolu. Gorce, lui, demande au maire de débarrasser le conseil du règlement qu'il a instauré, qui est un véritable corset, dit-il. Lecointe souhaite que l'opposition puisse jouer son rôle, à la fois critique et constructif. Il fait des propositions. Pour que cette partie de votre majorité qui n'a pas plus d'informations que nous en ait, comme nous, un peu plus. À ses reproches et à ses vœux, la réponse du maire est sans appel. Il n'appartient pas à une minorité par ailleurs divisée de dicter sa loi. Fin de discussion. Chaban avait répondu à peu près la même chose. Alain Juppé plutôt avait répondu à peu près la même chose aux opposants à Bordeaux. Quel est l'entourage administratif d'Yves Guénin à la mairie? Là, on a parlé des élus, des équipes hein, élus. Quel est son entourage administratif? Comme il l'a fait pour composer sa liste en 1971, Yves Guénin ne rompt pas avec l'administration municipale antérieure. Il conserve comme secrétaire général de la ville Charles Andrieux, en place depuis 1957, ayant travaillé au temps de la municipalité du socialiste Pierre Punier, puis du radical Barrière. Cette absence de système de dépouille refusé par Guénin rappelle celui de Bordeaux, je l'ai dit, une quinzaine d'années avant. À Périgueux, il est vrai qu'à 60 ans, en 1971, Andrieux a une profonde connaissance de la ville où il enseignait comme professeur de lettres à la Libération avant d'être attaché de préfecture. C'était un helléniste distingué, ce qui ne peut que plaire à Yves Guénin. Andrieux reste en fonction jusqu'à sa retraite en 1984, donc durant les deux premiers mandats. Et le maire lui rend un hommage à plusieurs reprises, notamment en 1977. « Cette maison est tenue d'une main ferme par M. Andrieux. Nous avons un secrétaire général d'une valeur exceptionnelle. Je sais tout ce que je lui dois. » Et en 1984, il dit « Votre autorité sur les services ne fut jamais mise en cause. » Non plus que le respect que vous porte l'ensemble du personnel dont vous êtes le chef. Je crois n'avoir jamais rien décidé ici sans vous avoir consulté, et vous avez toujours su à la fois vous faire entendre du maire, puis traduire avec zèle et intelligence
les décisions qui étaient finalement prises. Après le départ d'Andrieux, deux hommes ont successivement occupé la fonction de secrétaire général, Guy Richard, décédé prématurément, puis Jean Tougne. L'autre figure de l'administration municipale durant les premiers mandats d'Yves Guénat, M. Barré, directeur général des services techniques, dont le maire loua les mérites en même temps que ceux de Charles Andrieux. Et le rôle du secrétaire général est d'autant plus important durant ces années que Yves Guénat n'a jamais voulu avoir de directeur de cabinet ni de chef de cabinet. Donc, il accorde de l'importance à son secrétaire général et aux chefs de service qui sont les premiers auxquels la parole est donnée pour faire le point au début de la réunion hebdomadaire de l'équipe municipale. Que Michel va prendre. Je prends alors le relais un instant donc pour désormais voir Yves Guénat, maire de Périgueux, et son action dans Périgueux. Lorsqu'il accède donc à la mairie de Périgueux en 1971, Yves Guénat fait le constat suivant. Deux évidences, Périgueux est déjà une grande ville, Périgueux sera une plus grande ville encore, une évidence qui impose une nécessité. Comment faire ? De fait, la population de Périgueux proprement dite a déjà dépassé un sommet et elle ne cessera de décroître, mais c'est celle de l'agglomération qui va augmenter en suivant. Et Yves Guénat dresse ensuite le constat suivant, c'est que cette ville est petite par sa superficie, 982 hectares, ce qui est très très inférieur à nombre de villes qui ont une population équivalente, Agen, 1100 hectares, Chartres, 1685 hectares, Albi, de population comparable en 62, 4400 hectares, sans parler de la grande concurrente de Périgueux, Bergerac, avec 5610 hectares, ou encore de Montauban, qui a une population à peu près équivalente et une superficie de 13 000 hectares. Il constate aussi que cette ville est peu industrialisée. Carnot et Desfarges, qui font des conserves métalliques, emploient en 1971 350 personnes, les forges de la cité 145. Quant aux ateliers SNCF, qui ont connu quelques difficultés mais sont en position de redémarrage, elles regroupent simplement 700 employés dans les années 70. La création de l'usine du timbre à Boulazac a été une manne, mais Boulazac et Périgueux, finalement, ne peut compter essentiellement que sur des emplois administratifs. La mairie, le département, le centre hospitalier représentent alors les plus importants secteurs de l'emploi. Mais, toujours au niveau du constat, cette ville a un patrimoine architectural et un site au milieu d'une région à haut potentiel touristique qui n'est pas encore totalement développée, mais qu'il va falloir exploiter. Avec cependant un constat qui est signalé en ces termes par Yves Guénat, un environnement topographique resserré. En effet, on le voit très bien sur cette carte dressée par Michel Gentil, l'agglomération périgourdine s'étale d'est en ouest le long de la vallée de l'Isle, une vallée encaissée entre des collines qui s'élèvent rapidement, ce qui provoque déjà des problèmes de circulation. Face à ces contraintes, eh bien, Yves Guénat va développer un certain nombre de projets. Alors, nous avons choisi pour évoquer les projets d'Yves Guénat de retenir trois moments lors des élections municipales 1971, 1989 et 1995, où l'on voit des constantes et des évolutions, évidemment. En 1971, Yves Guénat développe trois axes dans son projet municipal. Loger, construction de logements sociaux, règlement du problème des rues neuves, travaux dans le secteur sauvegardé du Puy-Saint-Front. Accompagner l'expansion, maintien des emplois, créer de nouveaux emplois, développer la formation professionnelle et des projets placés dans le cadre d'un grand Périgueux, tout en voulant aider le commerce local et encourager le tourisme. Maintenir à Périgueux la douceur de vivre en développant des structures d'accueil, activités culturelles pour les jeunes,
avec un soin particulier apporté au quartier extérieur où l'on construit, mais où l'on manque de services. Ces trois axes restent une préoccupation permanente, nous allons les retrouver durant les différentes campagnes pour les municipales. Ils évoluent en fonction des actions considérées comme achevées, des financements accordés ou non par l'État, l'Europe ou la région, et les critiques des oppositions que l'on va voir dans un instant. Deuxième programme, en quelque sorte, 1989. Là, vous avez voilà, un document qui place un petit peu Périgueux en 1983 dans un cadre plus général des villes françaises. En 1989, il n'y a pas d'image. Ah. Petit problème. Nous avons une image. On va y... Non. Bon, je continue. 1989, donc, deuxième exemple choisi pour le projet qui s'appelle Périgueux 2000, un projet pour gagner. Yves Guéna déclare « Circulation et stationnement ne sont pas convenablement réglés dans un environnement topographique resserré. » Mais trois chances nouvelles. L'autoroute transversale Lyon-Bordeaux, qui est prévue pour l'an 2000, l'essor après l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun qui va susciter une demande d'équipement privé et public. Et troisième chance, nous l'avons créé, dit-il, le Grand Périgueux, l'unité de l'agglomération. Alors, première étape de ce projet 2000, donc en 1989, c'est raccorder la circulation intérieure aux grands axes de communication nationaux et internationaux, avec inscription dans les deux plans nationaux à venir, 89-93 et 94-98. En 10 ans, déclare Yves Guéna, nous aurons réglé les problèmes de circulation. Il s'engage même à organiser un référendum sur le projet de remodelage de la ville à partir de la voirie des zones d'habitat. Et un conseil va réfléchir à la chose et devrait donner des réponses dans les 6 mois qui suivent. Deuxième aspect de ce programme Périgueux 2000, développement économique avec la création d'un centre d'affaires en ville, développer la zone industrielle et commerciale de Salgourde avec installation d'industries de haute technologie et réalisation du centre d'accueil et de congrès à Saint-Georges. Projet décidé en 1988. Troisième volet de ce programme, développer le tourisme. Yves Guéna, dans ce programme dit, Périgueux, classé ville d'art et histoire en 1995, il faut donc poursuivre, imposer la nécessité d'améliorer les accès à la ville, car les entrées sont peu attirantes, dit-il. Donc améliorer le centre-ville non historique et aménager des terrains pour l'accueil des caravanes, camping-cars, nouvelles piscines. Quatrième volet de ce programme, équipement. Aménager une grande salle du Palais des Fêtes. Nous y sommes. Lorsque sera achevé le Palais des Congrès, en 1990. Une salle d'accueil pour la jeunesse, un quatrième lycée, le lycée G de Beaufort, car, dit Yves Guéna, cet établissement ne gagnerait rien à être implanté à l'écart du centre de l'agglomération et donc des autres établissements similaires. Le quatrième lycée s'est décidé, j'y tiens, il se fera dans Périgueux. Cinquième axe, la culture. Le temps du gallo-romain est venu. Et c'est la volonté d'aménager le site de la Villa des Bouquets. Yves Guéna ressort un vieux projet d'aménagement de ce site dans gallo-romain avec pièces de musée qu'il n'est pas question de laisser partir dans un hangar départemental du côté de Coulonnier. Et il ajoute rénovation du musée donc, du Périgord. Enfin, tract sur les ambitions du cœur avec volonté de développer la solidarité et la fraternité. Il met notamment en avant un bilan flatteur donc des constructions de HLM à Périgueux durant la période précédente. En 1995, dernière candidature, mais il ne le savait pas à ce moment-là, d'Yves Guéna à la mairie, dans une lettre aux habitants de Périgueux, il présente ainsi son projet. J'ai dessein avec les Périgourdins de continuer notre œuvre comme tâche double, car avec district, elle est à l'échelle de l'agglomération. Il propose un meilleur environnement pour les hommes et les femmes qui vivent en ville, notamment
dit-il, l'exaltante toilette du cœur de notre ville ne doit pas faire oublier les efforts pour les quartiers périphériques, Toulon, Saint-Georges et les Monts-Doux, Gourde-l'Arche, la Visitation. Et, il ajoute, peut-être une sorte d'image du bonheur se dessine-t-elle dans cette ville qui a su éviter les quartiers déshérités et les banlieues sordides. Demain, la rue Wilson, pas très loin d'ici, avec Ensemble Immobilier aux Quatre Chemins, qui donnera sa plénitude à cette belle opération d'urbanisme. Avant, on se plaignait des embouteillages et maintenant de la trop grande vitesse. Donc, il faut développer, améliorer l'entrée de la route venant de Bergerac, tout en respectant l'environnement et la fluidité donc, de cette route vers le Haut-Saint-Georges et Francheville, car les logements s'y sont multipliés et évidemment, il faut en tenir compte. Il projette également, parce qu'il est conscient qu'il y a un développement croissant des grandes surfaces à la périphérie de Périgueux, à cause des problèmes de stationnement, de relever le défi pour les commerçants du centre, développement économique de la ville, donc qui est très étroite effectivement, avec, il pense aussi, un développement d'une zone industrielle en coopération avec Périgueux, et Boulazac a été oublié, mais c'est Salgourde hein, qui revient, à ce moment-là. Quant à l'animation culturelle, elle a rien à envier aux villes de taille comparable, le palais des fêtes rénové, le centre des congrès, la Visitation école de musique, l'ancien palace devenu le théâtre de la vache cruelle, la nouvelle bibliothèque, le projet de salle de rock, dès le début du mandat, les animations, Mimos, la Foule d'argent. Et Périgueux, ville universitaire, oui, parce qu'il y a effectivement un institut juridique désormais pris en compte par l'Université de Bordeaux et qui accueille donc la jeunesse à Périgueux. Les points forts, donc, pour résumer ces vœux d'Yves Guénard en 1995, 2, développement économique en priorité, 6, croissance, 2, en second lieu, le tourisme, publicité, développer l'accueil et en particulier les campings le long de l'île et l'aménagement de ses berges, d'autant que le musée gallo-romain Vézuna, que quelques-uns d'entre vous ont visité hier, sera un formidable argument de vente. Alors, le musée n'ouvre qu'en 2003, mais il a une conservatrice que vous avez vue hier, ceux qui ont fait la visite, Elisabeth Pénisson, dès 1996. Face à ces projets, l'opposition va proposer des contre-projets et surtout être très critique quant à la méthode Guénard de gestion de la ville. Dès les années 70, le leitmotiv qui intervient dans les déclarations de l'opposition sont autour de rendre la parole aux Périgourdins, tout faire à partir de consultations et ne rien imposer, car jusque-là, Yves Guénard, disent-ils, a rendu la ville à la voiture et au bétonneur, lui qui a été le bras droit du bétonneur Chirac. Il est donc urgent de pratiquer autrement et de retrouver dans cette ville une certaine sérénité, en particulier en réintroduisant une population active qui aurait été chassée de la ville lors de la réalisation du Périgueux patrimonial de Puy-Saint-Front. Au-delà de la méthode, ce qui est proposé, c'est essentiellement en 89 un programme en 5 points qui renvoie à des préoccupations qui sont celles d'Yves Guénard. D'une part, régler le problème de la circulation, toujours en concertation. D'autre part, régler le problème de la fiscalité qui, dit l'opposition, ne peut guère être augmentée vu déjà son poids important, mais qu'il faudra répartir autrement et la mettre au service de l'activité économique, de l'augmentation du nombre des services et d'arrêter, et c'est dommage que nous n'ayons pas l'image, d'édifier dans cette ville des jets d'eau et des statues. Troisième point, le logement. La carence en logement HLM est patente selon l'opposition. Il est urgent d'y remédier et surtout de veiller à une attribution qui ne soit pas discrétionnaire. Quatrième point, la culture.
selon l'opposition, qui dresse un état des lieux très critique en un nombre de pages important dans un cahier de doléances de la culture à Périgueux, la culture dans l'agglomération est totalement anarchique car elle n'est pas gérée d'une manière globale et elle développe les concurrences au lieu d'offrir un meilleur service aux Périgourdins. Oui. Enfin, dernière priorité, l'éducation, qui aurait été, selon l'opposition, négligée par Yves Guénat, et on donne dans le tract de l'opposition un exemple. Périgueux consacre actuellement 450 francs par an et par classe. Or, à la même date, déclare l'opposition, une sortie en bus coûte 420 francs. Il est donc urgent de répartir ce budget scolaire autrement et d'en faire bénéficier véritablement les classes, alors que, déclare-t-on, une grande partie est absorbée par le remboursement des frais de déplacement des universitaires bordelais qui viennent donner des cours dans l'Institut juridique de Périgueux. Ces critiques étant là, quelle a été l'action d'Yves Guénat pendant 26 ans à la mairie? Alors, on va éviter de vous en livrer le catalogue, car ça serait trop long, mais nous allons essayer de pointer quelques réussites et quelques ratés. Réussite d'abord, incontestable et incontestée, c'est la rénovation du vieux Périgueux, ou plus exactement du Périgueux médiéval du Puy-Saint-Front, qui va être une tâche à laquelle Yves Guénat a consacré beaucoup d'énergie, activant en particulier des réseaux qui vont lui permettre de bénéficier d'aides qui vont permettre la transformation de ce quartier et en même temps de développer les équipements qui doivent aller avec, et notamment essayer de régler un problème récurrent, celui du stationnement. Grâce au choix d'Yves Guénat et à ses réseaux sans doute parisiens, eh bien, rapidement, la ville va être classée avec des secteurs sauvegardés en 1970. Yves Guénat va ensuite inscrire, parmi les premiers, la ville dans les contrats ville moyenne développés par Olivier Guichard, et entre 1976, 1977 et 1981, trois tranches, la ville va bénéficier de trois subventions extrêmement importantes, chacune de plus de 30 000 francs, qui, en complément de l'impôt, vont permettre de financer la rénovation de la ville qui va lui permettre, Bernard le signalait tout à l'heure, de bénéficier rapidement, et je crois la première en Aquitaine, du label Ville d'art et histoire qui va lui permettre d'attirer de nombreux touristes. Et l'on imagine aujourd'hui assez mal ce que devait être Périgueux avant ces années 80, tant il paraît évident que toutes ces petites rues pavées, ces places, ont été là de tout temps et de tout lieu. Et quelle n'est pas la surprise, quand on est un néo-périgourdin comme moi, de voir que la très belle place Saint-Louis avec la fameuse maison du pâtissier, en réalité, était occupée jusque dans les années 70 par la caserne des pompiers. Et on imagine assez mal d'ailleurs comment les camions de ces pompiers pouvaient sortir de cet endroit-là par une rue, la rue Guillerie, qui reste quand même une rue assez étroite. Autre succès, c'est la réalisation d'une zone industrielle et aussi de loisirs. Périgueux, on l'a dit, et c'est une contrainte que Guénat a prise en compte, est une ville de petite dimension. Développer les secteurs industriels et culturels nécessite de la place, et il y a aussi la nécessité pour la ville de pouvoir en tirer un certain nombre d'avantages, ce qui n'a pas été fait au moment de la création de l'usine du timbre à Boulazac.
Donc, Yves Guéna est extrêmement vigilant lorsqu'il s'agit de construire une nouvelle zone industrielle et commerciale à l'ouest de Périgueux, la zone de Salgourde, qui s'étale en fait sur la commune de Marsac et non pas sur celle de Périgueux. Et vous pouvez voir peut-être tout à fait à droite de la vue aérienne un pointillé qui représente la limite de la commune de Périgueux. C'est donc une zone extra-périgourdine qui va se développer grâce à une société d'économie mixte dans laquelle participent la ville de Marsac, la ville de Périgueux et aussi la chambre de commerce et d'industrie. Elle va être une réussite, même si l'opposition critique le choix qui est fait de créer un golf à la place d'une seconde piscine, car évidemment, même si un golf coûte beaucoup moins cher, le nombre d'usagers est sans doute moins important que dans un golf que dans une piscine. Mais je crois que ces gens très critiques à l'époque font partie aujourd'hui des golfeurs réguliers qui se retrouvent sur ce terrain de Salgourde. Autre réussite, c'est un équipement dont la ville avait besoin. Comme chacun sait, Périgueux possède une bibliothèque patrimoniale d'une grande richesse grâce aux citoyens Lacanal qui a fait transférer une partie de la bibliothèque de Marie-Antoinette jusqu'à Périgueux. Et il y avait besoin de créer un cadre pour accueillir ces collections et en même temps développer la lecture publique qui était, l'opposition le dit, en sommeil. C'est donc en 1985 a été décidée la construction d'une bibliothèque, aujourd'hui médiathèque Pierre Fanlac, qui a été confiée à une architecte de Périgueux, Lynn Crépin, et qui rapidement a rendu les services qu'elle devait. Cette création est à la hauteur de ce que se devait une ville comme Périgueux, même si Michel Lecointe, dans un conseil municipal, déclare qu'il a cru entendre parmi les conseillers quelques-uns dire que finalement la culture, ce n'était pas de l'ordre de la municipalité. Cette bibliothèque, elle correspond tout à fait à une bibliothèque d'une ville de la même taille, construite en même temps celle de Corbeil-Essonne, 40 000 habitants, Périgueux 33 000, celle de Corbeil-Essonne 3 000 mètres carrés, celle de Périgueux 2 500 mètres carrés, 17 millions pour la construction à Corbeil-Essonne, 15 millions à Périgueux. Autre succès qui a considérablement renouvelé la vie culturelle ensommeillée de Périgueux, ce sont des créations, on va dire immatérielles, en tout cas de l'animation culturelle. Et en particulier, une place importante doit être accordée au théâtre de la Vache Cruelle, qui a constitué un pôle fort d'animation culturelle entre 1983 et 1997-98, grâce à la rencontre entre Yves Guéna et le directeur de cette troupe, Pierre Orma. Et Paulette Labattu se souvient encore de cette rencontre dans un lieu un peu interlope de Périgueux où Yves Guéna l'avait entraîné. Et si j'avais le temps, mais je le prends, je ne peux pas le prendre, j'aurais dit que cette rencontre a été importante pour la ville et pour l'homme. D'autres créations culturelles ont eu lieu à la suite, le festival du mime Mimos en 83, le salon du livre gourmand à partir de 89. À côté alors de ces réussites, il faut signaler des ratés. Parmi ces ratés, le centre des congrès conçu dans le quartier Saint-Georges et qui a vu sa naissance entre 89 et 90, un lieu inadapté, car il ne correspond ni véritablement à un centre des congrès, ni à une maison de quartier. Et Yves Guéna a été très critiqué sur le sujet par son opposition. Et Michel Lecointe, encore lui, a déclaré lors d'un conseil municipal qui prévoyait cette installation, pour un équipement de quartier, à moins que vous ne vouliez, dans une débauche de générosité, offrir une cathédrale à qui ne demandait même pas une chapelle,
ce bâtiment ne pourra jamais être, par ses proportions même, une maison de quartier, ni une salle polyvalente, ni un centre des congrès. Opportunément, ce centre a été échangé avec le département lors de l'aménagement de la place Franche-Ville sous la mandature de Xavier Darcos. Autre raté, plus important, c'est celui des problèmes de circulation dans cette ville qui sont récurrents et difficilement solubles. La preuve, c'est que donc au sud de la ville, le long de la rivière Lille, se trouve un quartier, le quartier de Camniac, Vézone, qui était un quartier qui longtemps était resté un quartier de jardins et d'habitats dispersés. La principale activité jusque dans les années 50 de ce quartier, c'était le jardinage. Et tous les habitants de l'époque se souviennent d'avoir, le soir venu à la veillée, écouté les haricots verts que l'on amenait le lendemain matin aux usines Carnot où ils étaient mis en boîte. Ce quartier, dès avant la Seconde Guerre mondiale, il a fait l'objet de projets pour y installer une voie qui permette de contourner un peu la ville pour dégager la circulation. Et ce projet est donc repris avec Yves Guéna à partir de 1971 et jusque dans les années 80. Il a échoué car il a soulevé un tollé extrêmement important. Le résultat, c'est l'arrêt de ce projet, la constitution d'un quartier, le quartier de Vézone, qui désormais a une vie qu'il s'est constituée à travers les comités de défense et les tracts qui ont été alors réalisés, ou les articles dans le journal Le Monde, ou encore les courriers au président de la République. Mais le résultat, c'est que le problème de la circulation n'est pas réglé et que les Périgourdins savent bien aujourd'hui encore qu'il est impossible de prendre la rue qui longe ce quartier, la rue Claude Bernard, à certaines heures. Je voudrais terminer en disant que, parce qu'il a fallu aller très vite, et c'est ma conclusion avant de rendre la parole à Bernard, que parmi les difficultés auxquelles s'est heurté Yves Guéna, il y a eu des difficultés financières, l'impossibilité d'augmenter la pression de la fiscalité, le problème des retards des subventions nationales européennes qui ont fait que le désenclavement de Périgueux a traîné et que l'autoroute A89, commencée dans les années 90, s'est terminée simplement en 2018. Enfin, la difficulté qu'a eu Yves Guéna à construire une communauté d'agglomération avec les communes voisines. Dès 1971, il y travaille. On parle alors de fusion de communes, puis ensuite la création d'un CIVOM dans les années 80 permet de faire un peu avancer les choses, juste avant qu'il ne se transforme en district, mais avec disparition d'un certain nombre de communes qui font alors sécession, et la grande agglomération de Périgueux ne verra le jour que beaucoup plus tard, en 2014. Nous avons été trop lents. Juste un mot, je reviendrai sur quelques aspects qui étaient prévus pour faire un bilan des noces d'argent, selon la formule de la journaliste Dominique Lavigne, entre Yves Guéna et Périgueux. Mais je vous invite juste à lire déjà ce texte d'Yves Guéna ici, et j'y reviendrai cet après-midi, puisque nous n'avons pas le temps maintenant. Excusez-nous du départ. Merci à vous deux pour cette analyse extrêmement minutieuse, que ce soit sur les campagnes électorales. Rien n'est jamais gagné, on le voit, et Yves Guéna a été un combatif de premier ordre. Sur l'étude aussi du conseil municipal, étude également du personnel administratif, étude finalement des réalisations et, comme le dit aussi Michel, dératé, parce que évidemment rien n'est parfait, et cette étude, mais nous n'aurions pas le temps, pourrait même être prolongée
par une étude économique, financière, des investissements, de voir qui, effectivement, d'où viennent ces investissements, dans quelle mesure les investissements, parce que c'est toujours le problème des municipalités, des mairies, à savoir comment, effectivement, faire connaître ces investissements à la population, car il y a des investissements qui ont des conséquences à plus long terme et des investissements qui touchent directement la population, comme la rénovation de quartiers, etc. Mais l'enquête était déjà fort longue, fort minutieuse, et je comprends votre frustration à vous deux, mais c'est une analyse qui vraiment est une analyse qui a été faite à deux. On sent que vous avez beaucoup travaillé à deux, et c'est tout à votre honneur. Alors, il nous reste peu de temps pour la discussion, parce qu'après va s'ouvrir la table ronde. Je demanderai, sans frustrer également, déjà, je commence, les élus et les témoins qui sont là et qui vont participer à la table ronde, parce que nous allons reprendre ces analyses. Donc, peut-être de ne pas poser de questions pour l'instant, si cela ne les gêne pas trop. Voilà, nous reprendrons tout ça tout à l'heure à 11h. Est-ce qu'il y a des questions donc parmi le public? Mais alors là, je ne vois rien. Oui, ça va, ça y est, je vois. Il me faudrait une casquette. Alors, Monsieur Guigaud va peut-être... voilà. Merci, Emmanuel. Est-ce qu'il... oui. Oui, je vois qu'il porte le micro, mais je vois qu'il n'y a personne au bout du micro. Moi, j'ai une question. J'ai vraiment limité, là. S'il n'y a pas de questions. Je suis désolée pour les témoins, mais c'est vrai qu'on va reprendre ces questions. Est-ce qu'il y a des... Moi, j'ai une question sur le... Vous avez parlé de l'autoroute pour le désenclavement. Est-ce qu'il y a eu un projet de LGV? Parce qu'en plus, il a été ministre des Transports. Alors, à une époque où il n'y avait pas encore le TGV, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu par la suite une volonté d'une ligne à grande vitesse reliant, par exemple, à Bordeaux? Allez-y. Qui alors, veut répondre, Jean-Michel? Je n'ai pas de réponse précise sur le sujet, mais d'après ce que... j'en sais, Périgueux finalement se trouve, c'est un peu un triangle du vide. Il y a d'une part l'axe Paris-Bordeaux et d'autre part l'axe Paris-Toulouse. Et Périgueux se trouvant entre ces deux zones, elle reste finalement un point d'attraction secondaire, si bien que je sais que parmi les cadres de la SNCF qui ont voulu faire carrière, ils ont rapidement abandonné le Périgord pour aller soit vers Brive, soit vers Bordeaux, où pouvaient se dérouler des carrières beaucoup plus intéressantes. Il a été question, me semble-t-il, mais peut-être quelqu'un pourra nous répondre, du temps de la mandature de Michel Moirand, de développer une ligne, sinon TGV, du moins une ligne rapide qui permette de joindre Périgueux par Limoges. Elle est à venir et ceux d'entre vous qui sont venus du nord de la France ont vu qu'il n'était pas forcément facile de rejoindre Périgueux par le nord, et les choses se compliquent dès qu'il y a un incident sur une ligne qui est unique et qui peut bloquer la circulation pendant des heures. D'autres questions sur l'aménagement des quartiers? David Bellamy. Ah voilà, pardon. Vous donnez votre nom, s'il vous plaît, parce que... Donc, David Bellamy, une toute petite question pour... David, je ne vous avais pas reconnu. Pour Bernard, tu as dit qu'en au municipal de 65, il avait dirigé une liste UNRUDT MRP. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette tradition MRP locale qui semble écrasée entre les autres familles politiques dont tu as parlé? Est-ce que c'était une alliance conjoncturelle avec un ou deux candidats qui avaient cette étiquette, ou est-ce que c'est vraiment une force politique sur laquelle il comptait pour être éventuellement élu? Alors, il y a eu quelques forces MRP en Dordogne à la Libération, enfin au moment de la création du MRP. Il y a même eu un député MRP en Dordogne, André Denis. Par la suite, une des figures, si je ne m'abuse, du MRP en Dordogne a été Robert Germain. Je parle sous le contrôle des plus anciens. Mais il n'y avait pas, c'était pas
ça ne comptait pas beaucoup, beaucoup. Enfin, la place du MRP était quand même écrasée. Enfin, si on pense à l'époque du tripartisme, la libération était écrasée en Dordogne par le poids du Parti communiste et du Parti socialiste. Donc, ça n'a jamais été très important. Mais effectivement, ceux qui restaient de cette famille politique, de cette sensibilité démocrate chrétienne, Yves Guéna les a ralliés en partie à lui en 1965. Ça n'a pas suffi, mais enfin, c'était une tentative. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus. Oui, question intéressante. Une autre dernière question ? Non ? Bah écoutez, je crois qu'on va clore cette première session pour nous donner du temps pour écouter nos témoins. Donc une pause avant tout de même. Nous reprenons les travaux à 11h précise avec la table ronde.
pour Monsieur Xavier Darcos. Je prie les témoins de ne pas manifester. Et on va essayer de l'avoir quand même par téléphone et il prendra la parole pendant quelques minutes. Et puis, bon. Alors, tout d'abord, tout de même, nous organisons donc cette table ronde. C'est la manifestation finalement du renouvellement de l'histoire contemporaine telle qu'elle a été présentée par Bernard Lachaise et Christine Bounot hier, c'est-à-dire avec un enrichissement, si je puis dire, des sources privées, sources écrites privées ou publiques, mais également les sources orales grâce aux témoignages, effectivement, de ce qu'on appelle les grands témoins. Et là, j'ai autour de moi une belle brochette avec une femme, Paulette Labattu, et je suis très heureuse de l'avoir à mes côtés alors que j'ai connu, enfin que je connais sa popularité à Périgueux. Donc, je vais faire une présentation très succincte de chacun d'entre vous, mais très succincte, et puis après, je leur donnerai la parole à partir de 4 ou 5 questions que je vais vous poser. Alors, le problème, effectivement, c'est que notre temps est limité, donc je suis désolée, mais parfois je serai obligée d'interrompre votre propos. N'y voyez pas malice, mais voilà, le temps est le temps. Alors, Paulette Labattu, qui est donc à ma gauche, qui a donc été, on l'a dit tout à l'heure, dans la communication de Bernard Lachaise, qui a été d'abord la collaboratrice adjointe à la municipalité d'Yves-Guéna, puis première adjointe, une femme, ce qui, à cette époque-là, était quand même relativement rare, conseillère générale de Périgueux, et elle est élue sur le siège qu'occupait Yves Guéna depuis 1970 et qu'il a dû quitter à cause de la loi sur le cumul des mandats. Claude Berry-Debat, qui est ici aussi à ma gauche, qui est cadre de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur le sénateur, puisque vous avez été sénateur socialiste, et j'aurai une question à poser justement sur le rôle des oppositions à Yves Guéna, et qui a présidé la communauté d'agglo de Périgueux, du Grand Périgueux, entre 2001 et 2014. Francis Colbat, qui est à ma droite, là aussi qui faisait partie, je suis désolée, de l'opposition, et je vous ai mis à ma droite, communiste, mais bon, c'est les hasards du placement. Francis Colbat, professeur d'histoire, donc mon collègue, un collègue, qui a été conseiller général de Périgueux, maire de Trédissac et conseiller régional d'Aquitaine entre 1985 et 1986. Alors, Xavier Darcos, je vais lui donner, monsieur le chancelier Xavier Darcos, on lui donnera la parole après cette courte présentation, qui a succédé à Yves Guéna à la mairie de Périgueux, mais qui a occupé des fonctions locales, il a été sénateur, etc., et des fonctions nationales, puisqu'il a été également plusieurs fois ministre et qui est à l'heure actuelle chancelier de l'Institut de France depuis 2018. Alors, je dois excuser Gérard Fayol, qui est également professeur, gaulliste, conseiller général du Bugue, maire du Bugue, qui a été aussi conseiller régional entre 86 et 97, qui a été également sénateur entre 97 et 98, quand Yves Guéna a abandonné son siège pour entrer au Conseil constitutionnel. Malheureusement, Gérard Fayol n'est pas présent aujourd'hui, il a été victime d'une chute, mais par contre, il m'a laissé un petit texte que je ne lirai pas ce texte, mais à l'occasion des questions, je rappellerai quand même son témoignage, parce qu'il a des anecdotes à nous rapporter. Enfin, François Roussel, qui est à ma droite, et donc gaulliste, maire de Neuvic, qui avait pour profession la belle profession de vétérinaire, et hier soir au repas, on déplorait effectivement le désert médical, pas seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux dans les campagnes, qui a été donc suppléant d'Yves Guéna aux législatives de 1981,
et qui a été député de Périgueux entre 93 et 97. Alors, vous pourrez rajouter, ce sont des présentations très succinctes. Je m'adresse, est-ce que nous avons monsieur le chancelier Xavier Darcos au téléphone ? On m'entend bien, ah, oui, moi. Non, bah, écoutez, bien, est-ce qu'on m'entend ? Oui, on vous entend. Bonjour, alors, monsieur le chancelier. Je suis vraiment désolé d'utiliser le téléphone, mais il se trouve que l'hôtel où je suis, à côté de Nice, pour un colloque à la Villa Queridos, a une panne d'informatique. Donc, je n'ai pas pu m'installer de manière visuelle. Je voudrais dire sur Yves Guédin que, pour moi, il y a eu trois étapes dans ma vie de mes relations avec lui et conclure sur l'image que j'en conserve. Bah, la première étape, c'est celle d'un jeune homme, puisqu'il est arrivé à Périgueux en 1962, que c'était un ami de mon père, et que nous le voyions souvent à la maison, et pour moi, c'était un peu l'oncle d'Amérique, parce qu'il arrivait de Paris, il parlait de la politique nationale, il avait une vision extrêmement précise des personnes et des lieux, des jugements très abrupts, et j'étais absolument fasciné par Yves Guédin, cette première fascination juvénile, j'avais 16 ans, ne l'a guère quitté. Ensuite, la deuxième étape, c'est évidemment lorsqu'il a souhaité que je succède à mon père comme adjoint, où là, j'ai travaillé avec lui de très très près, et j'ai découvert un homme très différent de celui que je connaissais, d'abord parce que sous son autorité, quand on croyait cassante, on avait en fait un homme extrêmement amusant, très intéressé par les idées, les choses de culture, qui pouvait débattre pendant des heures, et donc qui m'a beaucoup appris et qui m'a fait confiance. Nous avons fait beaucoup de choses à cette époque dans le domaine notamment de la culture. Et puis la troisième étape, c'était de lui succéder, de devenir père à mon tour et sénateur. Une période qui a été au début très agréable, après un peu plus difficile parce que il avait le sentiment que je ne faisais pas toujours les choses comme il voulait. Et quand enfin j'ai perdu la mairie, il était très mécontent. Voilà les trois étapes. Mais qu'est-ce que je retiens d'Yves Guédin ? C'est ce paradoxe incroyable d'un personnage qui était à la fois un grand seigneur et un bretteur. C'est-à-dire, il y avait chez lui de l'allure, de la dimension, une vision panoramique, des engagements politiques extrêmement violents. Je me souviens notamment de la campagne de Maastricht en 92, où il était très impérieux, où je n'étais pas du tout de son avis d'ailleurs, puisque je votais oui, moi, lui votait non. Il y a ce côté grand seigneur, beaucoup d'allure, qui faisait qu'on ne lui cherchait pas trop loin, c'est qu'il ne fallait pas trop chercher à se frotter à lui lorsqu'il était dans cette posture. Mais il y avait un autre personnage qui m'étonnait toujours, c'était un bretteur, c'est-à-dire qu'il adorait se jeter dans les bars, dans les cafés, dans les réunions politiques les plus violentes, les plus populaires, et là il adorait ça. Il adorait débattre, discuter, se défendre, il devenait familier avec les gens, très à l'aise, très courageux, et ce contraste m'a toujours frappé. Il était d'ailleurs assumé complètement, puisque chaque année, lors du 18 juin, il réunissait tous ses affidés de Dordogne, et il leur faisait une espèce de discours de commandeur des croyants, qui alternait ces deux aspects, une réflexion très panoramique de la politique, et des piques, une manière de brocarder ses adversaires avec beaucoup de drôlerie. Il y avait un mélange des genres. Et donc, pour moi, c'était une incarnation parfaite de l'homme politique, qui doit à la fois avoir une solidité personnelle et être capable aussi des combats les plus triviaux qu'il menait avec beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, monsieur le chancelier. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de nous appeler. Je vous souhaite un bon séjour. Et nous sommes navrés, effectivement, que la connexion Internet n'ait pas marché, n'ait pas fonctionné. Mais c'est oui. les aléas de la technologie. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le chancelier. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons. La première question que je vais vous poser à tous, c'est les circonstances dans lesquelles vous avez connu Yves Guédin. Je vous indique tout de suite un petit peu les questions, comme ça vous allez préparer rapidement. Mais je vais donc, on va d'abord voir les circonstances. Ensuite, je vais vous demander quelles sont les réalisations, selon vous, d'Yves Guénat, que ce soit à Périgueux ou en Dordogne, qui ont été les plus significatives. Ensuite, je vous poserai la question sur les pratiques et les méthodes de travail d'Yves Guénat. On a vu que c'était un combatif
et qu'il avait même eu la réputation de très grande fermeté. On a entendu la communication hier sur la crise de mai 68. Enfin, je poserai la question sur les rapports d'Yves Guénat avec les oppositions, opposition socialiste, opposition communiste. Donc voilà grossièrement un petit peu le cadre de cette table ronde. Et je vous dis, je vous demanderai d'être le plus bref, c'est difficile de le dire, mais disons d'être le plus synthétique possible. Alors tout d'abord, Paulette, quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez connu Yves Guénat ? Il y a plusieurs micros. Pardon, vole. Vous pouvez prendre le mien. Merci beaucoup. Ce sont des circonstances un petit peu étonnantes. J'animais un groupe de femmes qui s'appelait les femmes gaullistes, femmes à venir, et nous avions régulièrement des entretiens avec des personnalités qui intervenait à l'époque où nous réalisions nos travaux, c'est-à-dire il y a bien longtemps. Et M. Guénat avait bien voulu venir animer une de nos réunions. Nous étions entre femmes et nous lui avions posé des questions qui concernaient vraiment les femmes, à savoir les différences de salaire, à savoir l'aide qu'on pouvait apporter dans une commune pour la vie des femmes, à savoir comment il intégrait les grandes dépenses, les grands travaux et la quotidienneté. Et j'avais été nous avions été particulièrement attentives à ses réponses et je dirais assez séduites. Pour ne pas dire complètement séduite. Il nous apparaissait vraiment comme, si je peux utiliser l'expression, un gaulliste de gauche, et c'était ce qui me convenait personnellement à moi. Après, le chemin a continué, je vous le dirai une autre fois. Oh, vous pouvez garder. Ah, pardon. Monsieur Roussel, vous pouvez nous rappeler les... Écoutez, moi, en 1968, c'est là que j'ai fait la connaissance d'Yves Guénat. J'étais en classe de préparation aux écoles nationales vétérinaires à Périgueux, puisque Périgueux avait déjà un petit embryon de post-bac là. Et puis, il y avait, comme vous le savez, en 68, il y avait les événements. Et la famille de mon épouse, la famille, donc le docteur Gossin, était un très proche d'Yves Guénat, qui avait été dans les tout premiers lors de son implantation en Dordogne, à faire sa connaissance. Donc, j'ai fait sa connaissance à ce moment-là. J'ai pris ma carte au parti gaulliste à cette époque-là, en 68. Et j'ai tout de suite été frappé par l'homme qui en imposait. Son éloquence, son intelligence, son esprit de synthèse m'ont ébloui. Et je ferai sans doute des propos pas toujours objectifs parce que je suis un inconditionnel d'Yves Guénat. Alors, Monsieur Berry-Débat, dans quelles circonstances avez-vous rencontré? Je crois qu'il y a deux périodes. Moi, j'ai rencontré Yves Guénat dans le cadre de mes fonctions au Parc des Expositions. J'avais créé le Parc des Expos, j'animais la Foire Expo. Donc, à ce titre-là, j'étais chargé des relations et j'ai eu l'occasion d'organiser un certain nombre de rencontres, de déjeuners, entre à l'époque Jean Gaillard, Brachet, Guénat, qui était maire de Périgueux, dont je l'ai connu, je dirais, la première fois, je l'ai rencontré dans ces circonstances-là. Et après, je l'ai véritablement connu quand, élu à Chancelade en 1989, j'ai siégé au CIVOM j'ai participé à la constitution, je dirais, du district, de la communauté d'agglomération, et j'ai été dans ce cadre-là le vice-président en charge de l'économie au niveau du district et au niveau de la communauté d'agglomération. Donc, mon témoignage sera surtout à l'échelle de l'intercommunalité, des efforts qu'il a menés pour mettre en place une coopération intercommunale à l'échelle de l'agglomération et du travail qu'il a mené, voilà. Oui, ben, avec votre qui est important. Avec votre rôle à la Chambre de commerce et d'industrie, évidemment. Alors, monsieur, on se passe le micro. Oui. Ben, moi, j'ai vraiment fait connaissance d'Yves Guénat en 79, quand j'ai été élu conseiller général. Bien sûr, je le connaissais avant comme homme public, mais il y avait à ce moment-là trois cantons dans Périgueux, Périgueux-Centre, dont Yves Guénat était le titulaire, Périgueux-Ouest, et moi j'étais conseiller général, j'ai été élu conseiller général de Périgueux-Est. Et alors, ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que au conseil général,
la disposition géographique, ce qui fait que les trois conseillers généraux de Périgueux sont côte à côte. C'est des tables de deux, donc on était à une table de deux avec Yves Guénat. Il y avait un micro avec un fil, et quand on intervenait et qu'on se répondait, y compris, ben on se passait le micro, le fil, cher ami. Bon, bref, et ça, ça a continué avec Paulette. Pendant pas mal d'années, on a continué à co-siéger. Et puis évidemment, ce que Claude dit, c'est on a tous eu des rapports proches dans le cadre de la coopération intercommunale, CIVU, CIVOM, district, CAP. Voilà, c'est là. Alors, je vais simplement évoquer effectivement le témoignage du sénateur Gérard Fayol, qui donc, comme je vous l'ai dit, ne peut être là puisqu'il a été victime d'une chute. Alors voilà comment il a connu Yves Guénat. Il nous dit, en 1963, je m'engageais au sein de la petite équipe qui l'aidait à sa permanence du cours Fénelon. Et Yves Guénat était sans cesse accusé de parachutage. Évidemment, Yves Guénat, comme on l'a dit, était breton d'origine. Et alors, Yves Guénat disait toujours à Gérard Fayol, « Vous allez pouvoir me traiter de parachuté pendant 30 ans. » Voilà, c'était son expression. Et il se souvient aussi de l'élection perdue, Bernard Lachaise en a parlé ce matin, de l'élection perdue au Conseil général contre Georges Bonnet, où il apostrophait « Monsieur Bonnet, vous avez emporté la patrie à la semelle de vos souliers ». Ce sont effectivement des phrases lapidaires que souvent utilisent les hommes politiques. Et quand on voit l'âpreté qu'il pouvait y avoir au cours des campagnes électorales, je crois que l'historien s'étonne peut-être un peu moins, excusez-moi de faire une référence à l'actualité, de l'âpreté des débats actuels à l'Assemblée nationale. Cette âpreté des combats politiques a souvent existé au niveau local comme au niveau national. Mais je reviens donc à ma deuxième question. Quelles sont, selon vous, les réalisations qui vous ont le plus marqué à Périgueux et en Dordogne, qui sont les réalisations d'Yves Guénat et qui lui tenaient particulièrement à cœur? Alors, honneur au... Ah, ben, vous avez le micro. Voilà, vous qui avez travaillé avec lui, vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire. Merci beaucoup. Beaucoup de choses à dire, bien sûr, puisque notre collaboration a duré tout le temps. Mais ce que je retiendrai, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est ce qui se voit le moins. À savoir, avec quelle humanité, avec quel cœur, avec quelle générosité, Yves Guénat entendait que se déroule la vie municipale et la vie à Périgueux. Il avait tout à fait le souhait de me voir agir dans le domaine des écoles, bien sûr, avec une largesse d'esprit qui m'était naturelle, certes, mais qu'il exigeait de moi, auprès des jeunes dont il savait qu'il y avait un certain nombre de manques et connaissant bien la jeunesse, il savait que la proximité et l'aide qu'on doit leur apporter étaient essentielles, et c'est comme ça qu'on avait créé très vite le Centre d'information jeunesse, mais surtout, il ne tolérait pas la misère. Il ne voulait pas qu'il y ait de miséreux à Périgueux, de miséreux isolés, de miséreux dont on ne s'occupe pas et de détresse dont on ne prenne pas vraiment la mesure ou le pari de l'aider. Alors, le bureau d'aide sociale avait un certain nombre d'activités qui n'émergeait pas beaucoup parce qu'on n'a jamais voulu en faire ni un geste électoral, ni un geste de propagande. Mais je souligne que l'action sociale, l'humanité, le grand cœur d'Yves Guénat a été ce qui m'a marqué le plus. Tout le reste éclatait aux yeux de tout le monde, notamment que c'était un héros. Héros tout jeune, on ne part pas. Ah oui, de la résistance. À 17 ans, se battre pour défendre son pays impunément, pour moi, mon admiration a commencé là, et mon admiration, elle ne s'est jamais démentie. Merci beaucoup, Paulette. C'est vrai que votre formation de professeur aussi vous incitait à être marquée par l'action sociale et aussi l'action en faveur de la jeunesse. Ça a joué.
Monsieur Roussel, quelles sont les réalisations le plus marqué et... Alors bon, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais enfin, c'est sûr qu'à Périgueux, ça a été pour moi, la rénovation du vieux Périgueux est une réussite totale, qui a donné un éclat, une réputation à la ville, première classée ville d'art et d'histoire. Mais je retiendrai surtout dans son œuvre, on a vu par la suite, c'était très très difficile de lui succéder, la façon dont il a fait de la politique en organisant, en s'organisant comme avec une armée, le général en chef étant Yves Guénat et le général en dessous, c'était Pierre Bourland. Et après, partout, il y avait des réseaux, il y avait une organisation militaire quasiment pour faire de la politique. C'était une armée. C'était une armée de militants et je ne dirais pas, comme l'a dit Xavier Darcos, ses affidés. Je dirais ses admirateurs venaient chaque 18 juin saluer le grand orateur qu'il était, le grand connaisseur de l'histoire. L'exposition montre combien il a été présent dans tous les domaines. Pour moi, cet homme avait tous les talents, mais ce que je retiendrai surtout, c'est qu'il avait une âme de guerrier. Et ça a commencé évidemment le 18 juin, où ici, le 19, il répond à l'appel général. Et toute sa vie aura été marquée avec toutes les nuances qu'il peut y avoir dans cette âme de guerrier, parce que ça peut passer par la diplomatie aussi. Mais quand même, en politique, c'était quelqu'un qui ne faisait pas de cadeaux, et ses adversaires s'en souviennent. Je pense en particulier à M. Bulac. Oui. Il a eu sa peau. Qu'on a sollicité. Mais je comprends. Oui. Je comprends qu'il n'ait pas souhaité participer. Mais c'était quelqu'un, je repense à quand il était à l'automne de sa vie, un jour je lui rendais visite à Chantérac. Il était en train de raccrocher au téléphone d'une façon très sèche, comme il savait le faire. Et sa femme lui disant, mais enfin Yves, quand vas-tu arrêter de te battre ? Et je crois que finalement, au-delà de toutes ces immenses qualités, c'est cette constance de « on ne choisit jamais la solution de facilité, on se bat ». Il n'a jamais pris sa retraite. Il n'a jamais pris sa retraite et il n'a pratiquement jamais pris de vacances. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de dire, puisque c'est moi qui ai fait le discours aux obsèques à Chantérac, qu'on avait un peu honte, nous, de prendre des vacances. Et donc, quelquefois, quand il demandait ce qu'on faisait, je prenais des vacances. Alors, il avait cette réponse lapidaire. « Dites-moi, quand vous travaillez, ça ira plus vite ». Alors, je vais demander maintenant aux oppositions, parce que Michel Combet, ce matin, a parlé donc des ratés dans les réalisations d'Yves Guénat. Il a parlé aussi des oppositions qui ont contesté certaines réalisations. Je commence par vous, monsieur Béry-Débat, ou bon, monsieur Colbert, comme vous voulez. Allez. Voilà, on va commencer par vous-même. Je pense qu'effectivement, Michel Combet en a fait le tour tout à l'heure. Il a rappelé toutes les réalisations et les ratés qu'il y a eu aussi. Mais dans un mandat qui dure autant, il y a forcément des ratés. Le centre de la communication aujourd'hui a été incontestablement un raté en termes de dimension, de dimensionnement. Bon, bref, mais ça s'est reconverti. Tant mieux. Les principales réalisations, moi je suis assez d'accord avec François Roussel, je crois qu'il y a d'abord le vieux Périgueux, parce que c'est quelque chose qui, là, existe, dure. Et j'ajoute un petit mot, c'est que cette rénovation du vieux Périgueux s'est faite en conservant une bonne part, pas toute, mais une bonne part de la population qui était sur le site. Et ça c'est important, parce qu'il y a énormément de rénovations de vieilles villes qui se sont faites en éjectant les populations qui étaient sur place. Là, moi, j'ai pas mal d'amis qui habitaient avant dans ce qu'on appelait les vieilles rues et qui ont pu y rester. Et ça, c'est quand même une démarche assez significative, même si ça n'a pas concerné tout le monde, c'était pas possible, mais en fait, une bonne partie de la population. Puis, il y a quelque chose que je citerai, parce que c'est resté aussi, même s'il y a eu des inquiétudes à certains moments, c'est d'avoir fait venir l'usine du timbre sur l'agglomération. Voilà. Parce que c'était quand même, ça a été quelque chose, un élément très dynamisant. Au-delà des salariés qu'il y avait dans cette usine, ça a dynamisé
le tissu économique local. Et les salariés de l'usine du timbre, qui avaient beaucoup protesté parce qu'ils n'avaient pas envie de quitter Paris et de venir ici, au bout de quelques années, ils se sont trouvés contents d'être en Dordogne. Là aussi, j'ai beaucoup de copains qui sont maintenant à la retraite, qui travaillaient au timbre, qui étaient parmi les plus opposés au transfert et qui, au bout de quelques années, étaient très contents d'être là. Oui, et c'est important ce que vous avez dit aussi en début, là, sur justement le fait que la rénovation de Périgueux s'est faite tout en retenant la population. Parce que ça, c'est un effet, j'allais dire, pervers de certaines, ce qu'on appelle la métropolisation. Et bon, évidemment, je pense à une plus grande ville, celle de Bordeaux, où il y a eu effectivement un grand effort de rénovation, d'urbanisation, de modernité, mais qui s'est fait aussi aux dépens des populations qui n'avaient plus, avec la hausse de l'immobilier, qui n'avaient plus cette population, les revenus nécessaires pour rester au cœur de la ville, et qui donc ont dû s'expatrier, si je puis m'exprimer ainsi, ce qui explique aussi des problèmes justement d'acheminement au travail, au centre par exemple de la ville. Et ça, c'est très important de voir effectivement que la rénovation de Périgueux, et de la part d'un opposant, c'est d'autant plus important de voir que cette rénovation s'est faite en retenant la population initiale dans ces quartiers anciens. Alors, je me tourne vers le socialiste, donc Claude Derrideva, et vous allez... Alors, je partage ce qui a été dit par rapport aux réalisations de Périgueux. Moi, je vois une autre réalisation très intéressante, c'est la création de la zone d'activité de Salgourde, où là, il a pris, je dirais, la dimension de celle de Boulazac, qui avait été créée par la Chambre de commerce et d'industrie, et où la ville de Périgueux n'avait pas du tout la main. Donc, il a pris l'initiative de créer celle de Marsac, avec un syndicat mixte dans lequel il y avait Périgueux à 85%, Marsac à 10%, et la CCI de Périgueux à 5%. Ce qui a permis de maîtriser l'outil de développement économique. Et ensuite, mais on y reviendra sans doute, c'est la volonté, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, de mettre en place une collaboration intercommunale à travers le CIVU que je n'ai pas connu. Moi, j'ai connu le CIVOM, j'ai connu le district, j'ai connu la communauté d'agglomération, et on ne peut pas lui imputer l'échec d'une communauté d'agglomération aboutie dans la mesure où il y avait un partenaire de l'Est qui ne souhaitait pas venir avec nous et qui a créé d'ailleurs une structure concurrente pour ne pas pouvoir entrer dans la communauté d'agglo. Donc tout ça, on y est arrivé plus tard à un prix qu'il faudra mesurer ensuite, voilà. Donc, c'était cette volonté de développer l'économie à travers une zone économique dont il maîtrisait, à travers la majorité des parts qu'il détenait, et la volonté d'avoir, à l'échelle de l'agglomération, une vraie politique intercommunale. Alors, justement, je vais rebondir, si vous permettez, justement, sur les oppositions, parce que je vous trouve tous les deux reconnaissant, je dirais presque indulgent, mais là je me fais un peu l'avocat du diable, là je vous titille un peu, et je vais passer à cette question. Donc, avant de parler des pratiques, quels étaient les rapports donc d'Yves Guéna avec les oppositions? Est-ce qu'on a pu parler un peu, comme on a pu parler pour le système Chaban, d'un consensus effectivement avec Chaban au centre de Bordeaux et dans les agglomérations plutôt de tendance socialiste, une forme de consensus? Est-ce que pour vous deux là, qu'est-ce que au sein de l'intercommunalité, il n'y avait pas d'opposition? On travaillait sur des dossiers techniques, en sachant que c'était de la coopération intercommunale. Alors, en dehors, moi, j'ai été maire de Chancelade. Quand je me suis présenté à l'élection, pendant trois fois, j'ai eu trois listes qui étaient soutenues par Yves Guéna, enfin une liste au moins, soutenue par Yves Guéna contre moi. Mais comme je l'emportais aussi chaque fois avec plus de 60% des voix, il n'y a plus eu de problème. Il était respectueux de la démocratie et ça se passait très bien. Mais au niveau de l'intercommunalité, qu'il s'agisse du CIVOM, qu'il s'agisse du district, qu'il s'agisse
de la communauté d'agglo, nous avons travaillé en parfaite intelligence. Alors, il y avait parfois quelques pics, mais c'était de l'ordre anecdotique. Nous avons très bien travaillé à ce niveau-là et je dois dire aussi que nous avons très bien travaillé. C'est une constance d'Yves Guénin aussi, je veux le dire pour ne pas l'oublier. Il faisait confiance également à son administration. Et au niveau du CIVOM et au niveau du district, il y a un homme qui a compté. Le CIVOM, moi, j'ai connu Malbouriane, mais c'est surtout Christian Descosses qui a travaillé avec Yves Guénin. Il a d'ailleurs continuité avec moi. Il a été mon directeur général des services de 2001 à 2014. Il avait été celui d'Yves Guénin et celui de Xavier Darcos. Il s'appuyait sur des hommes de compétents et il leur faisait confiance. Ça aussi, c'était Yves Guénin. C'était souligné en tant que maire, mais c'est à souligner aussi en termes d'intercommunalité. Donc, au risque de vous décevoir, nous avons eu de bonnes relations avec Yves Guénin quand il était président de l'intercommunalité. Et en plus, il venait aux vœux des maires de l'intercommunalité quand on faisait des vœux chaque année. Il était présent, respectueux de chacun. Voilà, moi j'ai eu de bons rapports avec lui sur le plan de la coopération intercommunale. Après, je ne fais pas rentrer les débats qu'il y a eu. Je n'étais pas de son côté quand il a été battu au niveau des législatives, quand mon ami François Roussel a été battu aussi. Je défendais, bien entendu, les couleurs socialistes que je n'ai j'ai jamais abandonnées puisque je suis toujours socialiste aujourd'hui. Et aujourd'hui. Non, mais simplement, je voulais vous faire rebondir et réagir. Et alors, justement, on a souvent dit que la résistance, n'est-ce pas, avait été un élément, finalement, commun aux communistes et donc aux gaullistes. Et je voudrais avoir votre point de vue, Francis Kaulbach, justement, sur le rôle des oppositions, avant de donner la parole. Juste un tout petit mot, juste simplement pour rebondir ce qu'a dit Claude Béré-Debat. Il faut penser aussi que quand les maires se réunissent entre eux, 95% des sujets qu'ils traitent ne sont pas d'origine, ne sont pas d'origine. Voilà. Et donc, après, les militants disent « Ah ben tiens, ils mangent ensemble, on les voit ensemble. » Bien sûr. Mais c'est normal. C'est normal. C'est la gestion quotidienne des problèmes. Donc là, alors, monsieur... Je voudrais dire que les rapports qu'on a eus, c'est des rapports, j'utiliserai le mot de clarté. Il y avait clarté, aussi bien dans le combat politique... qui nous a toujours opposé, que clarté dans la construction en commun, et notamment dans l'intercommunalité. Je reprends des propos d'Yves Guénin lui-même, dans un article, un hommage qu'il avait écrit en 77 au décès d'Yves Perron. Il dit « Je m'associe à l'hommage rendu à celui qui fut durant 15 ans mon plus constant adversaire. Certes, j'étais en désaccord sur tout avec lui. Certes, je pense qu'il se trompait. Mais il était homme de conviction, sincère envers lui-même et tout dévoué à sa cause. » Et il ajoute, ça va ? Non, c'est bon. Il ajoute, ça rejoint ce que vous venez de dire, « Sans doute la commune appartenance à la résistance créait-elle entre nous des liens particuliers qui atténuaient une opposition doctrinale sur laquelle ni l'un ni l'autre nous n'avons jamais transigé. » Ce qu'il dit à propos de Perron, ça vaut pour les rapports d'une manière générale entre les gaullistes et les communistes. Et je voudrais ajouter, je vais poser ce livre et prendre celui-là, une autre citation. C'est un extrait de son discours lorsqu'il a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur à Roger Anoux, le lieutenant-colonel Hercule. Ça résume assez bien les rapports... qui ont été les nôtres. Nous n'avons pas, dit-il, nous n'avons pas en tout point la même vision de la société, mais l'essentiel nous réunit. Je fais une incidente, ça rappelle beaucoup la formule de Chaban-Delmas. Chaban-Delmas qui disait les communistes, tout nous oppose, sauf l'essentiel. Et Yves Guénin continue dans son discours pour Roger Anoux, oui, donc l'essentiel nous réunit. Nous nous retrouvons coude à coude sur les champs de bataille quand la France est en péril
Et si la République est menacée, nous nous retrouvons même parfois dans les urnes. Il faut rappeler que cette remise de l'insigne d'officier de la Légion d'honneur était en octobre 2002, c'est-à-dire quelques mois après les élections présidentielles qui avaient vu pour la première fois Le Pen arriver au deuxième tour, et ce qui fait que c'est en ça qu'on se retrouvait dans les urnes, ce qui fait que les communistes avaient appelé et avaient très massivement voté pour Chirac, pour battre Le Pen et l'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup. Alors, justement, là, je vais m'adresser plus particulièrement à ceux qui ont travaillé donc vraiment aux côtés d'Yves Guéna, c'est-à-dire à Paulette et à vous-même, sur les méthodes de travail, sur est-ce que vous aurez un témoignage à nous donner sur les pratiques, les méthodes. Comme je disais, on a vu hier qu'il n'était pas dépourvu de fermeté et d'autorité, mais en même temps, vous avez parlé d'une très grande générosité. Est-ce que vous pouvez, Paulette, préciser ça? Et après, je vous donnerai la parole, François Roussel. Yves Guéna était un homme qui faisait confiance. C'est-à-dire qu'il était susceptible de déléguer, et il ne craignait pas ni la jeunesse, ni l'incompétence, ni les premiers essais de quelqu'un. J'en suis témoin, puisque je suis arrivée tout à fait inhabituée ou inapte aux fonctions municipales quand il m'a choisie comme adjoint, mais m'a demandé tout de suite un programme de travail dont il me laissait la liberté de choix, mais un programme qu'il a suivi semaine après semaine, c'est-à-dire réunion après réunion, avec attention et avec un souci d'aboutissement qui était rare. De sorte que, quand on était avec lui, on savait qu'il était exigeant, mais on savait aussi qu'il était honnête et qu'il était tout à fait en mesure de comprendre nos difficultés, de les aider et de contribuer au résultat final. Mais la confiance se méritait avec lui. Quand on l'avait méritée, elle restait. Merci. Alors, ben, écoutez, je vais vous dire, je reviens quelques années en arrière, 68, je suis là, j'adhère au mouvement gaulliste. Oui, justement. 75, je m'installe comme vétérinaire praticien à Neuvic et Mouxidan. Et dès l'année 77, il me dit, François, ce serait bien que vous présentiez aux élections municipales. Bon, c'était veto, donc j'avais pas beaucoup de temps disponible, mais j'ai compris qu'il fallait que je dise oui. Donc, c'était très difficile de lui dire. Mettre la main, là. Voilà, et donc j'ai été candidat derrière un élu plus âgé, plus chevronné que moi, et nous avons été élus, mais nous sommes restés dans l'opposition. L'année suivante, la mandature suivante, en 1983, je suis devenu maire, et puis après, j'ai continué à être réélu. Mais ce qui m'a frappé dans les nombreuses réunions que j'ai eues avec lui ou avec Paulette, j'ai été son suppléant en 81 et en 88. On ne peut pas dire que je lui ai beaucoup porté chance, puisque c'est les rares élections qu'il a perdues. Mais enfin, pour avoir beaucoup fait du porte-à-porte à Périgueux, pour avoir circulé avec lui dans les villes et villages de la vallée de l'Isle, j'ai beaucoup écouté ce qu'il racontait, qui était toujours empreint de beaucoup de tactique sur la façon de mener les choses. Au lendemain d'une élection, je vais citer celle-là parce qu'elle m'avait beaucoup marqué, en 81, on est écrasé. On perd évidemment la présidentielle et on perd derrière les législatives parce que le suffrage universel ne se déjuge pas à quelques semaines d'intervalle. Et puis, il refait une réunion de militants, il comptait beaucoup sur l'appareil militant, en septembre 1981. Bon. D'habitude, il y avait 40 à 50 militants qui étaient présents. Ce jour-là, il y en avait peut-être 5 ou 6. On était encore chaos de ce désastre pour nous, politiques. Et dans son propos, dont je me rappelle très bien, il dit, vous savez, toujours les choses changent. Et regardez, en l'espace de quelques mois, et il cite les 4 législatives partielles qui avaient eu lieu, non celle d'Alain Perfitte, qui avait été battue, mais l'élection avait été invalidée. On vient de gagner les 4 partielles. Et la plus petite parcelle, je dirais, d'espérance, était une source d'ardeur nouvelle pour repartir de l'avant. Et voilà, à nouveau se battre. Un guerrier. Au lendemain d'une élection, il faisait tout de suite une analyse synthétique. On ne va pas donner de nom, mais ça y est, un tel est mort. Effectivement, considérer que quand on perdait sa mairie,
on n'avait plus l'ancrage local et qu'on n'existait plus. C'est pour ça que hier j'ai l'occasion de dire pourquoi il était attaché à avoir au moins un mandat local par rapport à un mandat national. Et c'est vrai que bon, c'est finalement des technocrates qui nous ont dit bah, regardez, etc. Partout pas de cumul. En Europe. Mais c'est vrai que c'est aux électeurs de décider. S'ils considèrent qu'il y a trop de mandats, ben, c'est eux qui choisissent. Mais c'est en tout cas pas à des juristes spécialisés. Non, juste, je voudrais. Tu me fais penser à une formule qu'il avait utilisée. Je crois que c'était après 81, quand il était reparti au combat. Il avait dit : j'ai de nouveau envie de mordre dans la baraque. C'est clair, quoi. Alors, Paulette vient de me dire, quand on j'ai dit c'était un guerrier, elle me dit. Pas que. Alors, est-ce que vous pouvez il était... compléter? Alors, j'ai déjà dit à quel point il était humain, c'est certain. Mais je veux dire aussi qu'il était très respectueux du suffrage universel et il me disait toujours, attention, attention, les électeurs ont toujours raison. Et il avait eu un respect profond pour les élus parce qu'il considérait que c'était eux l'émanation de la conscience publique, de la conscience générale et de tout ce qui faisait notre vie en commun. Je me permets un tout petit retour en arrière parlant des réalisations, vous voudrez bien m'excuser, des réalisations qui méritent vraiment d'être retenues, c'est la reconversion qu'il a faite du 5e chasseur quand l'armée a quitté Périgueux et qu'on a pu recouvrer sur cet endroit qui était quand même à la fois immense, très important dans Périgueux, d'une part le service militaire adapté, d'autre part l'école de police, alors que M. Guénat avait fait là le siège du bureau de Charles Pasqua en lui disant « Je ne partirai pas d'ici, assis sur une chaise, tant que tu ne m'auras pas trouvé la solution ». Effectivement, la solution a été magnifique et perdure encore pour donner du relief à Périgueux. Alors, merci. Je vous en prie. Je vais revenir au témoignage donc, de Gérard Fayol qui me dit qu'il a dû, effectivement, qu'il doit à Yves Guénat deux mandats et que malheureusement, ces mandats n'ont pas duré longtemps, notamment celui de sénateur. Et il me rappelle ainsi, j'ai pu ainsi gérer une politique. Quant à mes brefs mandats de président, je cite Gérard Fayol, quant à mes brefs mandats de président du Conseil général et de sénateur, Yves Guénat commentait, l'important Gérard, c'est de l'avoir été. Peu importe la brièveté du mandat, mais il faut y être, il faut être présent, il faut se battre, il faut, voilà. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais c'est vrai, Paulette a raison. Quand je dis qu'il avait l'âme d'un guerrier, c'était qu'une des facettes de sa personnalité. C'était un homme charmant, c'était un homme courtois, c'était un homme élégant. La vie tout court. Oui. Et bon, un autre merveilleux, comme Paulette, on a été invité à dîner à Chantérac de nombreuses fois, avec son épouse, dont je salue la mémoire aussi. C'était un couple parfait pour leurs autres, pour ceux qui le recevaient. Et les choses n'étaient jamais banales. Quand Yves Guénat s'exprimait, c'était toujours pour dire quelque chose d'intéressant. Mais ça pouvait relever de la culture, ça pouvait relever de l'art, ou de la musique, ou de la poésie, auquel il était très, très attaché, bah, il a écrit. Compris. On a cet après-midi une intervention, une communication. Y compris d'Aragon, mon cher Francis. D'Yves Guénat. On se rencontrait deux, trois fois par an à l'occasion de repas dans des restaurants de Périgueux. Alors, ceux qui étaient là se disaient, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, de quoi ils parlent et tout. On faisait un peu le tour du monde, mais on parlait essentiellement de poésie et de sculpture. On avait le même amour pour la poésie. Moi, j'adore la sculpture aussi, mais je suis complètement béotien en la matière. Et un jour, je lui disais, j'ai une édition originale des Fleurs du Mal. Je le vois qui se met à réfléchir, à se concentrer, et en plein restaurant, il se met à me déclamer les 5-6 premiers vers des Fleurs du Mal. Mais alors, avec une voix de stentor, le restaurant, c'était cul. C'était assez drôlatique. Et je voudrais juste ajouter un mot, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, mais qui compte, c'est son humour. Il avait un humour caustique,
absolument redoutable, destructeur même quand, quand il s'y mettait. Et c'était un peu parfois. Oui. Mais je pense, même avec Claude, les réunions de bureau et tout, il y avait des moments où, franchement, on rigolait bien, quoi. Vous avez quelque chose à ajouter? Sur la méthode. Oui. La méthode Guénard, en tant que président du district ou président de la communauté d'agglomération de la CAP, c'était quelqu'un de très directif. Il faisait confiance, je l'ai dit, à ses services, dont nous avions un ordre du jour établi. Il fallait s'y tenir, ça allait assez vite. Ceux qui posaient des questions inutiles, ils avaient souvent affaire à son humour, comme dit Francis. Par contre, quand on posait des questions bien fouillées, on avait droit à son respect. Voilà, et on a eu quelques réunions avec des histoires assez un peu compliquées. Voilà, donc c'était quelqu'un de méthode. Et il terminait toujours, il en est ainsi décidé. Donc nous avions un... Alors quelquefois, ça allait trop loin. Donc il disait à des gosses, bon, ça on le verra, c'est pas la peine de s'apesantir là-dessus. Tout le monde est d'accord, il en est ainsi décidé, etc. etc. Donc il avait des méthodes assez rapides, mais... Il tenait compte quand même des avis qu'il fallait, je dirais, bien préparer en amont pour ne pas se retrouver, je dirais, déconsidéré devant les collègues. Et puis, je dois dire aussi que moi, j'étais le petit socialiste de l'intercommunalité. Il y avait deux personnes, il jouait avec deux personnes. Plus qu'avec les autres, c'était avec Francis Colbach et avec Michel Dasseux, qui était quand même le représentant, il avait été élu en 89. Ils étaient adversaires aussi sur le plan politique, mais il aimait bien, je dirais, jouer de la séduction, mettre en avant les uns et les autres. Il savait très très bien le faire, Yves Guénard. Et personne n'était bute non plus. Donc, dans le bureau de l'intercommunalité de l'époque, Francis Colbach et Michel Dasseux, apparemment, étaient les interlocuteurs privilégiés à un moment donné. Voilà. Alors, je vois l'heure tournée. Je vous remercie. Vous avez été d'une concision extraordinaire. Je voudrais vous poser une dernière question à tous. Pensez-vous que les fonctions nationales d'Yves Guénard aient eu des répercussions positives donc sur le local, sur le territoire? Bon, on a parlé du timbre poste à Périgueux, de la délocalisation, ce qui nous ramène aussi à la nécessité peut-être, en tout cas c'est en discussion, de la loi sur le cumul des mandats, vous avez un peu évoqué. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ces questions-là, peu importe l'ordre, à qui prend la parole? Et on terminera, là-dessus. Incontestablement, les responsabilités nationales ne peuvent qu'aider dans l'exercice de mandats locaux. Moi, je suis plutôt contre un cumul total des mandats, mais je pense que les lois successives qui ont révisé ça ont abouti à une situation complètement tordue qui ne correspond pas à empêcher un député d'être maire d'une commune de 150 habitants, mais honnêtement, ça ne tient pas debout, quoi. Voilà. Mais ces mandats ont sûrement aidé. Ils ont aidé effectivement pour le timbre. Paulette a évoqué le devenir du cinquième chasseur. Alors là, on n'est pas d'accord sur le fond, parce que pour ma part, je n'étais pas pour la suppression de l'armée de conscription. Mais bon, cela étant, ça a été décidé, le cinquième a été dissous. Y a maintenant quelque chose. Donc, c'était pas joué d'avance. Donc, là aussi, c'est sa place nationale, son rôle national qui ont influencé dans le bon sens.
Oui, l'usine du timbre a été citée plusieurs fois. Moi, je citerai plus près de nous, en Vallée de l'Île, le centre de détention de Neuvik. Et je salue l'initiative qu'avait prise Frédéric Guénat, qui était dans un cabinet ministériel. Il va y avoir un plan en 13 000 places de prison. Et je me rappelle très bien comment nous avons rencontré Jacques Chirac à Paris, à l'hôtel de ville, puisqu'il était à la fois Premier ministre, maire de Paris, président du conseil général de la Corrèze et chef du premier parti. Voilà. Donc, le cumul des mandats, Chirac également, comme Yves Guénat, pensait que c'était une erreur de l'arrêter. Et donc là, j'ai vu Yves Guénat, avec ses arguments bien ciselés, les phrases bien préparées, dire pourquoi il fallait que Neuvik est un centre de détention. Parce qu'on venait de subir, nous, enfin, je ne rentre pas dans les détails, hein, une catastrophe économique avec la disparition de plusieurs centaines d'emplois liés à l'industrie de la chaussure. Et donc, Chirac donne ligne de la tête. Oui, mais on me dit que la région n'est pas d'une grande criminalité, que c'est bien que les détenus, enfin, les familles des détenus n'aient pas trop de route à faire. Et puis, bon. Retenir ce type d'argument, enfin, vous savez, avec la façon dont il savait répondre. Et puis en sortant, je dis, bon, on va l'avoir, il m'a dit. Je me rappelle très bien. Et Chirac a dû trouver l'idée très bonne, puisqu'il a fait également un centre de détention à Uzerche. Voilà, donc qui n'est pas également une région de grande criminalité. Donc voilà, pour vous donner un exemple, c'est vrai que si ça n'avait pas été Guénat et l'aura qui l'entourait, on n'aurait certainement pas eu sans détention. Je repense aussi, j'ai assisté à une bribe de conversation un jour, à un moment, à propos du TGV. Et il y avait, le TGV était bien parti pour être le TGV que l'on connaît aujourd'hui. Et à un moment, il y a eu une variante qui a été présentée, qui était le train pendulaire, qui allait moins vite, certes, mais qui atteignait quand même les 200 km/h. Mais qui n'obligeait pas à avoir des sites propres pour la création des voies, qui pouvaient se faire sur les voies existantes. Et j'ai entendu Yves Guénat dire à Chirac, mais enfin, l'avenir a toujours été à la vitesse, tu ne vas pas te lancer dans cette aventure d'un train pendulaire dont on ne sait pas quoi, etc. Et donc, Guénat m'a dit derrière, je ne sais pas si ces dernières paroles l'ont influencé favorablement, mais c'est vrai que finalement, ça a été le TGV qui a été choisi. Dernier point aussi, en faisant allusion à sa carrière et sa connaissance du ministère des Transports, quand on a eu le projet autoroutier, qui était salué quasiment, comment dirais-je, demandé par toute la classe politique et puis par les instances consulaires, il y avait des gens qui disaient « Ah ouais, mais pourquoi on part pour l'autoroute qui va être payante? Pourquoi pas faire une deux voies ?» Effectivement, il y a des deux fois deux voies qui existent. Et il avait eu, là aussi, cette formule lapidaire, ce sera l'autoroute ou rien. La deux fois deux voies, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, effectivement, on a eu, quelque temps après, l'autoroute. J'aurais toujours... Il ne faut pas me prêter le micro. Merci beaucoup. Je voudrais parler de la confiance qu'il faisait aux femmes. La première... femme qui est entrée au conseil politique du RPR, ça a été sur son instigation, et c'est moi, qui me suis retrouvée donc au milieu de tous les grands pontes de la Ve République, vraiment, je ne veux pas dire intimidée, mais enfin consciente de la représentation importante qui m'incombait, c'est-à-dire représenter les femmes qui jusqu'alors n'étaient pas admises dans cette instance de haute autorité. Et c'est avec sa protection, sa bénédiction, que je suis arrivée à ce niveau, ce qui m'a beaucoup appris, bien sûr, et ce dont je n'ai cessé de le remercier pendant longtemps. Puis je voudrais dire aussi que, étant députée, il avait beaucoup, beaucoup de réflexions personnel, tout le monde le sait. Mais à deux reprises, il m'a téléphoné avant de voter. Je me permettrai de dire qu'il y avait un lien de confiance très, très fort et peut-être un peu secret entre nous, mais de confiance, c'est sûr, à propos de l'abolition de la peine de mort. Ah oui. Et à propos de la loi Veil. Dans les deux cas, avant de voter, mm-hmm. il m'a appelé pour me dire qu'est-ce qu'il faut faire et surtout. Pourquoi il n'acceptait pas les avis à bâton rompu. Il ne s'agissait pas que je réponde oui ou non. Il s'agissait d'une argumentation solide venant d'une femme qui était une femme de terrain, ce que j'étais, et qui lui permettait de
soit d'argumenter, soit de confirmer ce qu'il pensait déjà. Enfin, je n'oublierai jamais ces deux coups de téléphone. Oh, c'est... Dernier mot. Alors, ce dernier mot, témoignage. Puisque la question c'était est-ce que un destin national peut influer, peut apporter un certain nombre de choses. Je crois qu'effectivement, quels que soient les élus qui ont exercé des fonctions, qui ont été proches d'un président de la République, d'un premier ministre, ça peut apporter quelque chose sur le plan local. Mais je voudrais dire, s'agissant de ce qui a été fait à l'échelle de l'intercommunalité, je crois que Yves Guénard, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a joué la carte de l'intercommunalité pour faire partager un certain nombre d'investissements par la totalité de la coopération intercommunale, c'est-à-dire d'abord les 7, ensuite les 9, après les 16, ensuite les 30, etc. etc. Et ça a permis quand même, je voudrais le dire, de réaliser un certain nombre d'opérations qui n'ont pas forcément abouti par rapport à la finalité qui était faite, mais je rappelle le pont sud, je rappelle la voie des stades, je rappelle les zones d'activité qui ont été créées, je rappelle des choses qui ne se voient pas, la voie verte qui se voit, elle. Les déchets, l'assainissement, des problèmes très importants du moment et que nous avons pu régler ou commencer à régler ensemble parce que on n'a pas tout réglé, d'ailleurs tout n'est pas encore réglé, mais on a travaillé et je pense que c'était le propre de la collaboration intercommunale qui a été poursuivie dans le même état d'esprit, tout au moins sous ma présidence. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Alors je crois que dans le programme, il y a un quart d'heure de discussion, c'est-à-dire que le public maintenant est appelé peut-être à poser des questions à nos témoins, avant de clore effectivement cette table ronde. Oui, il faut prendre le micro. Moi, je n'y vois rien. On n'y voit rien d'ici, avec les spots, n'est-ce pas, qui nous réchauffent. Mais... Nous sommes parfaitement dans les temps. Donc, vous pouvez poser des questions. Merci. Bonjour à tous, Antoine Audi. Moi, j'ai eu la chance de rentrer en politique en 78, lorsque Yves Guénard m'a reçu pour me remettre ma carte du RPR au 44 de la rue Wilson. Et merci d'abord à nos grands témoins d'avoir rouvert la malle aux souvenirs, j'ai envie de dire. Moi, j'avais été frappé par un de ses livres, je ne sais pas si on a beaucoup parlé pendant le colloque, c'était Le temps des certitudes, hein, son livre qui, dépeint... l'histoire de France entre 1940 et 1969. Et c'est vrai que pour nous, jeunes militants, Guénard, c'était vraiment le temps des certitudes. D'ailleurs, son livre se termine par le décès du général de Gaulle. Il dit « Nous allons rentrer dans les temps ordinaires ». Et je dirais, ici comme ailleurs, on est beaucoup rentré dans les temps ordinaires. Mais Guénard, c'était pour les militants RPR et les jeunes à qui il confiait des responsabilités, c'était d'abord... le bonheur qu'on avait quand Pierre Bourland nous disait vendredi soir, tu accompagnes le patron à Excideuil, à Tourtoirac, à Brantôme pour des réunions publiques de militants. Et moi, j'avais toujours été très marqué. Xavier Darcos a évoqué le 18 juin. Moi, je n'ai pas tout à fait le même souvenir que lui. Le 18 juin, pour les militants du RPR, c'était Guénard qui incarnait le 18 juin par son histoire personnelle. Et ce n'était pas des affidés, simplement, on venait recevoir effectivement une parole. Et Guénard, il était aussi fort et aussi pertinent, salle du Toulon, je me souviens d'une réunion où Philippe Seguin était venu, il y avait 1200 personnes. Il était aussi pertinent et fort et bon tribun au Toulon que dans une petite réunion de 40 militants au fin fond d'un canton. Donc ça, c'était vraiment très important. On a parlé de l'humour tout à l'heure, après je m'arrête, je vois Bernard Lachaise, Bernard, il me fait les gros yeux. On partait à une réunion, où, je crois que c'était une réunion à Verteillac, où Guénard m'avait confié la responsabilité de la campagne d'un élu qui s'appelait Marc Etourneau. Il m'avait dit « Alors, t'as trouvé un slogan ?» J'ai dit « Oui, c'est Marc Etourneau, l'homme qu'il vous faut. » Et ça l'avait fait sourire. On s'était arrêté dîner à Brantôme, dans un endroit qui n'existe plus aujourd'hui. Et au moment du dessert, Guénard, il avait la dent très, très dure quand même. Et au moment du dessert, le serveur lui dit « Comme dessert, monsieur le ministre, nous avons... » des sorbets, et Guénard avait dit le sorbet, c'est de l'eau sale.
Voilà. Et il avait quand même la dent très, très dure. On a beaucoup appris. Il nous ont resté quelques dents dures aujourd'hui. Et hélas, on est dans les temps ordinaires. Merci à tous. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions ou d'autres témoignages qui peuvent compléter cette table ronde ? J'ai une question un peu plus technique. Comment est-ce qu'il gérait finalement, lorsqu'il était ministre, sa relation avec Périgueux ? Est-ce qu'il revenait régulièrement sur place ? Oui. Est-ce qu'il prévoyait une partie de son agenda ? Et en termes de transport aussi, comment est-ce qu'il revenait ? Parce qu'il y a quand même une distance certaine depuis Paris. Oui, merci. Bonne question. Est-ce que vous pouvez répondre ? Je peux répondre en disant qu'à partir de, quelles que soient ses fonctions ministérielles, ou autre, ses fonctions nationales, il était quand même à Périgueux toutes les fins de semaine, avec un programme tracé, sérieux, et nombre de coups de fil passés à l'avance pour préparer les choses, et là aussi, j'en sais quelque chose. Il était, on avait l'impression que son mental ou ses pieds étaient à Paris, mais Périgueux restait toujours au fond de sa pensée et dans un petit coin de son cœur. Autrement dit, il ne nous a jamais manqué. On a été actifs et respectueux derrière lui quand on savait qu'il avait des fonctions nationales qu'il exerçait de manière tout à fait remarquable. Mais Périgueux est toujours resté accroché à ses basques. Merci. Est-ce que vous avez des éléments complémentaire à ajouter sur sa présence à Périgueux malgré des fonctions nationales ? Écoutez, non, mais effectivement, il prenait le train du dimanche soir et il rentrait dès qu'il le pouvait en Dordogne. Souvent, mais bon, il a été beaucoup pour le train. Et malheureusement, le temps de transport entre Paris et Périgueux, il en était consterné, mais vous vous rendez compte, François, en 40 ans, on a gagné 2 minutes. Alors c'est vrai que c'était un train qui avait atteint ses limites, et c'est vrai qu'il était temps que le TGV qu'il a lancé prenne le relais. Voilà, c'est ce qu'ont constaté nos collègues qui sont venus de Paris et qui ont pris le train hier ou aujourd'hui, qui vont le reprendre aujourd'hui pour rentrer à leur domicile. Je crois qu'il y a une autre question, Bernard. Non. N'y a-t-il pas eu à une époque, c'est un vieux souvenir périgourdin, mais peut-être qu'il est faux, n'y a-t-il pas eu une ligne Bassillac-Paris, une ligne d'avion ? Si. Si, quand même. Hein. Oui. Mais... Bassillac-Orly, oui, c'est un train que j'ai... Un avion que j'ai pris à plusieurs reprises, oui, d'accord. Et dont la ligne s'est arrêtée. D'autres questions ? N'hésitez pas, hein. Bah écoutez, je crois que là, peut-être un dernier mot à chacun des témoins autour de la table ronde que vous n'avez pas pu évoquer parce que vous avez été d'une concision remarquable. Peut-être Antoine Audi a évoqué un exemple de l'humour d'Yves Guénat. Francis Colbach, vous avez évoqué peut-être vous pourriez nous donner quelques exemples supplémentaires de l'humour d'Yves Guénat, notamment cette phrase sur la ponctualité qu'il exigeait des autres. Je crois qu'il y a... Voilà, peut-être si vous ne voulez pas. Moi, j'ai un souvenir personnel. On avait pris rendez-vous une après-midi. C'est le moment où le district, je crois, prenait la compétence économique. Donc, il m'avait dit qu'il faudrait qu'on se voie. Et donc, je devais aller à la mairie de Périgueux. Puis, j'ai complètement oublié, j'ai zappé. Et j'ai vu arriver dans mon bureau, à la mairie de Trélissac, son chauffeur, qui me dit. Ah, il y a le patron qui m'envoie vous porter ça. C'était une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait une feuille. Et sur la feuille, il y avait un poème. Alors, dans le poème, il disait, nous devions, je crois, parler d'économie, mais les petits gâteaux, on racornit. C'était extraordinaire. Il m'avait fait un poème entier. C'est plus efficace pour dire, qu'est-ce que tu fais, t'as loupé le rendez-vous, que de se mettre à gueuler, quoi. C'est beaucoup plus... On s'en souvient. C'était une méthode. C'est une méthode. Oui. Il avait tendance à considérer que si on n'était pas là une minute avant, on n'était pas à l'heure. Donc, il y avait de bonnes habitudes de prise, jamais de retard avec Yves Guénat. Et quand par malheur, ça arrivait à quelqu'un, il n'hésitait pas à lui dire, écoutez, si...
mon heure ne vous convient pas, vous me donnerez la vôtre. Je vois ça. Dernière question avant que nous allons clore ce débat. Alors, il me reste à remercier tout d'abord nos témoins qui, je le répète, ont été d'une concision remarquable, qui nous ont apporté leur témoignage. Et c'est justement ce qui est très important, c'est qu'au fond, on comprend mieux les questionnements mémoriels, si je puis dire, autour d'Yves Guénat, parce qu'on a là un matériau effectivement vivant d'archives orales. Je remercie également Madame la maire, toute son équipe municipale. Je remercie également Frédéric Guénat qui ont été tout au long de ce colloque, mais le colloque n'est pas terminé, il y a encore la séance de cet après-midi, mais qui ont été très présents. Et c'est vrai que je ne veux pas faire le mauvais esprit, pas être comme Yves Guénat, mais le monde universitaire n'a pas toujours l'habitude d'être aussi bien accueilli lors de ces colloques. Et enfin, un petit mot quand même sur Bernard Lachaise, parce que c'est lui qui a contacté les témoins, enfants du pays, mais si, et qui a permis ainsi la tenue de cette table ronde qui est très riche, et je pense que des discussions vont continuer encore cet après-midi. Merci à tous. Et rendez-vous à 14h, s'il vous plaît, pour la suite.